Conscient que mon destin est dans le creux de tes mains, que ton onction descende sur moi et je suis disposé à soifé. Oh, que ton onction descende sur moi et je suis assoiffé. Ce soir encore, sur moi et je suis assoiffé. Je viens, sur moi et je suis disposé, assoiffé.
L'Erial Alema, c'est ce que nous voulons ce soir. Plus de toi encore ce soir. Plus de toi encore ce soir. Plus de toi dans l'église. Plus de toi dans l'église. Plus de toi, Yahweh, disposé. Oh, oh, oh. Est-ce que quelqu'un peut le dire avec moi ce soir? Oh, sur moi, je suis disposé. Yahweh, Yahweh. Oh, sur moi, je suis disposé, 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 disposé. Est-ce que tu peux te disposer au travers de ce chant, au travers de ce chant? Est-ce que quelqu'un peut rendre disponible des vases ce soir? Sur moi je suis disposé. C'est la soif de mon cœur ce soir. Oui, je suis disposé. L'Aliane est le brave. Inamande est le brave. Ianosia, Ianosia. Agada la diche, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut s'annoncer ce soir au travers de sa soif? Ce chant n'est pas qu'une mélodie, mais c'est une prière. Est-ce que quelqu'un peut s'approcher de ce programme avec une soif que le Seigneur va étancher? Est-ce que quelqu'un peut s'approcher de ce programme avec un vase qui est disponible, avec un vase qui provoquera la continuité de l'huile? J'aimerais dire à quelqu'un en cette saison, l'huile va rester dans la continuité en fonction de la disponibilité du vase que tu présentes. Est-ce que quelqu'un ce soir peut commencer ce programme avec une disponibilité de vase? Alléluia. Sintaya nono chatere bobo bo chatanana mama. Sur moi, sur moi, sur moi. Sur moi, dans mon église, je demande. Autour de moi, je le demande. Dans ce que je fais, je le demande. Dans l'église, je le demande. Je le demande. Ce soir encore, je le demande. Ce soir encore, je le demande. Sur moi, je suis disposé. Assoiffé, assoiffé. Que ton onction descende sur moi. Sur moi et je suis. Yale liriandoro bobo siyada. Ema lema, ema yama. Oh, sur moi et je suis disposé. Oh, assoiffé. Que ton onction descende sur moi. Sur moi et je suis disposé. Oh, assoiffé. C'est la soif de mon cœur que je présente ce soir. C'est la soif de mon cœur que j'apporte. Imandele maya maya mala manama lo sebre lendi ananana mama mama. Est-ce que quelqu'un peut se disposer? Ianene mama maya ndolo momo chete. Seigneur, au travers de ce chant nous nous disposons. Au travers de ce chant nous nous disposons. Au travers de ce chant nous créons une brèche, Seigneur, afin que le ciel descende sur terre. Au travers de ce chant, Seigneur, nous voulons donner un signal d'alarme lorsque tu seras en train de passer sur la terre. Tu saches que ici, en ce lieu, il y a des gens qui veulent te vivre. Il y a des gens qui veulent te voir. Alléluia. De partout où vous nous suivez, j'aimerais que vous puissiez vous connecter à ce chant. Yarabo siantele maba yarabababababa chete. Inemo siantele mandele mo siarabahabaya. Inenemo siaraba. L'Iele mosi praleda, inene mosante le maida la hosa, I pralesa di gadaya nana le la baya. Oh, sur moi, je suis disposé, assoiffé, Yahweh. Je le demande encore ce soir, sur moi, je suis disposé. Assoiffé, Yahweh, oh, que ton onction descende, que ton onction descende. Viens et remplis ce lieu, Yahweh, viens et sature ce lieu.
que ton onction descende encore, que ton feu descende encore, que ta pluie vienne encore, Yahweh. Qu'elle descende par la tête, qu'elle descende encore, qu'elle coule jusqu'à la barbe ce soir, qu'elle descende jusque sur la robe, Seigneur, qu'elle descende jusque sur la montagne, que ton onction descende, Yeliane Namaya, que ton onction descende, Yahweh, Inamale de Brala, que ton onction descende, Yahweh, que ton onction descende, Inenemaya la Blalema, Olosie, Aya la Malababa. J'entends un bruit qui annonce la pluie, j'entends un bruit qui annonce la pluie. J'entends un bruit qui annonce la pluie ce soir. J'entends un bruit qui annonce la pluie ce soir. Il est l'émotion la barade. Il est l'émotion de l'émotion. Je suis disposé et assoiffé, Seigneur. Il y a un moment célébrade. Il est le moment sin taille mal. L'onction qui brise les joues, qu'elle descende ce soir. L'onction qui brise les joues, qu'elle descende ce soir. L'onction qui guérit les malades, qu'elle descende ce soir. L'onction qui restaure les vies, qu'elle descende ce soir. Il y a des moments si, il y a des moments sabbat. Sur moi et je suis disposé. J'aimerais le dire avec toi qui nous suis, dis-le avec moi. Je suis disposé, oh, assoiffé, que ton onction descende. C'est des paroles très simples mais très puissantes. Dis-le, je suis disposé, oh, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alors que tu le dis, elle descend déjà. Je suis disposé, oh, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alors que je chante, je suis disposé. Alléluia, oh, oh, que ton onction descend sur moi. Ce soir encore, je suis disposé. Alléluia, 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 alléluia. Sur moi, et je suis disposé. Oh, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Est-ce que tu peux bien le dire? Ce soir, je suis disposé. Est-ce que tu peux le dire jusqu'à ce que ta coupe déborde? Est-ce que tu peux le dire jusqu'à ce que ton esprit atteigne la fréquence qu'il faut ce soir? Est-ce que tu peux le dire jusqu'à ce que ton esprit capte les fréquences célestes? Est-ce que tu peux le dire jusqu'à ce que ton esprit s'écrie Ephata afin de recevoir les choses du ciel? Est-ce que tu peux le dire suffisamment? Sur moi et je suis disposé et assoiffé que ton onction descende sur moi. Papa, et je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Sur moi, et je suis disposé, assoiffé. Alléluia.
Alléluia, alléluia. Ce soir encore nous venons. Ce soir encore je viens. Oh, le 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 di allo se. Inana maya raba le sa do le diada. Ce soir je suis disposé à soifer. Que ton onction descend sur moi et je suis disposé et assoiffé. Que ton onction descend sur moi et je suis disposé et assoiffé. Que ton onction descend sur moi ce soir je suis disposé et assoiffé. Que ton onction descend sur moi et je suis disposé. Oui, assoiffé. Que ton onction descend sur moi et je suis disposé. Oh, assoiffé. Que ton onction descend sur moi et je suis disposé. Assoiffé, que ton onction descend en ce lieu ce soir, je suis disposé. Assoiffé, que ton onction descend sur moi. Et je suis disposé, dis-le bien avec moi, assoiffé que ton onction descend. Plus tu le proclames, plus il s'intensifie. Je suis disposé, alléluia, assoiffé que ton onction descend. Oh oui, que ton onction descend. Qu'elle vienne, qu'elle descende sur moi. Que ton onction descend sur moi. Qu'elle sature ce lieu. Que ton onction descend sur moi. Que ton onction descende. Oh oui, qu'elle descend sur moi. Que ton onction vienne ici. Qu'elle descende sur moi. Que ton onction vienne ici. Qu'elle descend sur moi. Que ton onction descend sur moi. En ce lieu qu'elle descend. Que ton onction descend sur moi. Que ton onction descend sur moi. Que ton onction descend encore. Qu'elle descend sur moi. Que ton onction 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 descend sur moi. On va répéter le refrain ensemble. Je suis disposé à soifé. Que ton onction descend sur moi. Je suis disposé à soifé que ton onction. Pour la dernière fois avec bon sang. Sur moi et je suis disposé à soifé que ton onction descend sur moi. On peut acclamer encore pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Merci à la technique pour les efforts fournis. Soyez les bienvenus à notre première soirée de, c'était difficile à prononcer, réinitialisation prophétique. Alors je me suis battu avec les réinitialisés, c'était compliqué, je croyais parler en langue. Mais sinon, soyez les bienvenus, excusez-nous pour le petit désagrément avec le son. Mais vous savez, la technique a ses caprices, dit-on, et je suis vraiment heureux d'être avec vous ce soir. Je ne prêche pas, ce soir je vais... l'image n'est pas très bonne, mais bon, elle veut un peu dire ce que je veux vraiment exprimer. Je suis là pour donner la nausée à la personne qui va vomir les choses que Dieu
a déposé en elle. Et je suis très heureux ce soir d'être avec vous. Alors, on va reprendre le même exercice. On est là déjà, on est là pour toute la semaine, de lundi au dimanche. Alors, soyez les bienvenus, installez-vous confortablement et partout où vous êtes, s'il vous plaît, participez avec nous. Est-ce que le son est bon? Tout est OK? Tout est OK. OK, parfait. Merci beaucoup à la technique, vous faites du bon travail. Et s'il vous plaît, donnez-nous beaucoup de cœur pendant le direct. Ça empêche à ceux qui veulent, bon, en fait, nous voulons empêcher à ceux qui empêchent à la gloire de Dieu de se manifester en signalant des fois des vidéos et en empêchant que la connexion soit bonne. On a eu beaucoup de combats comme ça. Vous savez, le monde des réseaux sociaux, c'est le monde de l'iniquité. Et nous voulons maintenir la bonne connexion, OK? Et disons plutôt la connexion bonne. Alors, pendant le live, allez au bas de l'écran, invitez tous vos amis et partagez le direct à tous les groupes Facebook avec lesquels vous êtes en contact. On est déjà à plus de 930 personnes. Et j'aimerais juste saluer quelques villes. Vous êtes là dans votre ville, s'il vous plaît. Faites-nous signe dans quelle ville êtes-vous en train de nous suivre maintenant. Et j'aimerais vous saluer très nombreux. Bonsoir tout le monde. Vous êtes dans quelle ville? On va déjà à près de 1000 personnes. Allez au bas de l'écran, partagez le direct. Invitez les amis, on peut aller à 1000, 2000, 3000, 4000 ce soir. Je crois qu'ensemble, on peut le faire. Et comme tonton Jaco dit, il n'y a pas de souci. Alors, dans quelle ville êtes-vous en train de nous suivre, s'il vous plaît? Et je vais vous saluer avant d'introduire celui avec qui nous aurons une conversation et un entretien très riche ce soir autour d'un thème particulier. J'ai hâte d'entendre cela autant que vous. Dans quelle ville êtes-vous, s'il vous plaît? Alors, dites-moi à partir d'où est-ce que vous nous suivez. Merci à la technique, merci à la technique, merci. Merci beaucoup. OK, vous êtes dans quelle ville comme ça? J'ai besoin de votre ville. OK, votre ville. Et je peux saluer non seulement les villes, mais les nations et les continents qui sont représentés ce soir. Pendant juste 2-3 minutes, et on va entrer dans le vif de notre sujet. Lubumbashi, Wantashi, Mwakubari, Kisa, Nakatika, Jina, Na Yesu Christo. Vous êtes où comme ça? Yachimachimangawa. Badibanga. OK. Là, je pense que c'est l'une de mes filles qui est au Canada. Dieu te bénisse là où tu es. Au Canada. Tony Ekofo, Dieu te bénisse aux États-Unis où tu es. Josephat Ngandu, merci de Johannesburg. Je crois que j'ai bien prononcé Johannesburg. En Afrique du Sud, South Africa. Ville juive, Clara, ma fille, sois bénie où tu es en France. Haïti, Dieu vous bénisse en Haïti. Là, on est dans quel continent? On est où? On est en Amérique. C'est à quelques heures de Miami. OK. On est au Canada. OK. Belgique. Karine Kandé, merci beaucoup. Vous êtes en Europe. Dallas. Doris Kaneza, blessing. May God bless you where you are in the mighty name of Jesus. Thank you for all our viewers. Je suis là? Signez-moi la caméra. OK. Thank you for all our viewers. May God bless you where you are in the name of Jesus. Depuis la Tchango. Oh, Bana Tchango. Bana Chine populaire, voilà la RDC représentée. Alors pendant qu'on parle, partagez le direct. Et merci beaucoup, merci vraiment beaucoup. Et vous êtes à Kinshasa, Dani Niembwe, Dieu te bénisse ma fille où tu es, tu fais notre fierté. On voit les bonnes œuvres que tu fais sur le plan politique, social, moral même, tes interventions dans beaucoup de secteurs. Vraiment, ce message, je crois qu'il sera à toi. Tchangou Kinshasa, Vinok, on est à Paris, Emma, Christnel. On est à Stockholm, Suède. Nicole, soyez bénis, vous tous qui êtes en Suède en train de nous suivre. Axel Mulumba, Dieu te bénisse en RDC. God bless you where you are. Libreville est fière de son prophète. Très contente hier nuit avec le prophète Philippe que je salue au nom de Jésus-Christ. Bravo, prophète, pour la décoration intérieure. Et l'équipe Power Channel, nous sommes en équipe depuis Lingwala Connecté. Wow! Donc, il semble que là, tout le monde est en train d'apprécier la décoration. Dieu vous bénisse, France. Arlette, merci, Montpellier, en France encore. Je cherche un autre pays. J'ai hâte. Alors, partagez le direct, invitez les amis. On est vraiment en train de décoller. Washington, God bless you where you are. USA, Belgium, blessing. Mundala, c'est mon nom, c'est mon poste nom là. Je suis dans quelle caméra? OK, Mundala, Dieu vous bénisse. Moi, c'est Joël Francis Tatou Mundala. C'est le nom de mon grand-père que je porte depuis Lyon. Émeric, mon fils, sois béni là où tu es à Lyon, en France. Samuela Ango, au Gabon, merci d'être connecté. Voilà, je salue encore. Tel Aviv, avec Israël, Ben Gemba, merci beaucoup. Tous ceux qui nous suivent à partir de
Tel Aviv, à partir de Jérusalem, à partir où que vous soyez, en Galilée ou ailleurs, soyez les bienvenus au nom de Jésus. Très beau décor, Samuel. Voilà, les gens sont en train d'apprécier. Nous saluons tous ceux qui ont travaillé derrière la scène pour la décoration. Côte d'Ivoire, Martin. Et voilà, soyez bénis, Rabat, Maroc. Voilà, donc partout où vous êtes, moi, je vais me charger de recevoir mon invité ce soir. Merci beaucoup. Et je crois que nous allons passer des bons moments dans la présence de Dieu. Alors, soyez assis confortablement là où vous êtes. Continuez à nous donner des cœurs, d'accord? Partagez le direct, invitez les amis, parce que la gloire de Dieu est déjà là sur scène. Merci beaucoup à la technique pour le bon travail. Et merci à tous ceux qui travaillent ici. Je vois une grande équipe qui est là. Et le Saint-Esprit, là surtout, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la gloire de Dieu est là. Et j'ai hâte de recevoir notre premier invité du jour. Est-ce qu'on est prêt ce soir? Si tu es prêt, tape avec moi, avance prophète, avance prophète, avance prophète, avance prophète. On peut aller, continuer à partager, inviter les amis. Ce soir, c'est vraiment le décollage. Si tu rates le décollage, tu as tout raté. Alors, sois prêt parce que Dieu nous fera du bien aujourd'hui. Voilà, je vois des gens qui sont Kitambo. Dieu vous bénisse, là où vous êtes à Kitambo. La qualité est trop waouh. Gloire à Dieu. Maroc, déco impec, oh mon Dieu. Très beau costume. Ok, d'accord. Voilà, je suis disposé. Ah, waouh. Déborah Accra, il faut cliquer sur la vidéo pour avoir le son. Gloire à Dieu. C'est formidable. Amen. Voilà, sans plus tarder, après les salutations et le petit taxi qu'on a fait un peu comme avant le décollage, je suis vraiment dans la joie ce soir de vous présenter celui avec qui nous allons avoir un échange, une discussion. Nous allons avoir l'opportunité de parler, de discuter. Et je crois que nous passons des bons moments dans la présence de Dieu avec vous. Ok? Je crois que sur le plateau, tout est bon? Voilà, j'espère que c'est juste ma voix qu'on entend ici. Merci beaucoup. Est-ce qu'on est prêt ce soir? Dieu est là prêt. Alors, s'il vous plaît, je vais présenter l'homme que je vais recevoir ici. Il a une biographie assez bien, bien, bien garnie. C'est un homme de Dieu très, très spécial que j'aime profondément. Et... je vais vous présenter ce soir un homme. Vous avez certainement vu sa biographie lorsque nous avons présenté le Zoom. Quelqu'un m'a dit, prophète, je ne vais pas avoir le code d'accès du Zoom parce qu'on pensait que c'était Zoom. J'ai dit non, Zoom, c'est juste le fait de se rapprocher un peu. Ok. Je vous présente ce soir un homme qui m'est très, très, très cher. Je vais d'abord dire deux, trois choses lui concernant. Je vais d'abord commencer avant toute chose. Please. Je vais d'abord commencer avant toute chose en vous présentant l'homme qui nous parle ce soir. Ok. C'est un homme qui a des compétences et des capacités très multiples. C'est un diamant qui brille dans toutes ses facettes. Et il est doctorant en politique internationale. Il est écrivain, il a écrit de merveilleux livres. Manifeste ta force, fais-toi un nom. Ce livre-là a bouleversé ma vie et la rage que j'ai dans le ministère. Je l'ai eu aussi de ce livre. Il est expert en leadership et il est même à la tête d'une grande structure qui forme des leaders dans tous les secteurs, dans les secteurs tant ecclésiastiques que dans le secteur séculier. Il est théologien de formation, il a été longtemps professeur, pour ne citer que ça, à une grande institut biblique dirigée à la tête par l'homme qui est rentré à la gloire du Père, le docteur Roger Haussmann. Plusieurs ont été ses étudiants, même des pasteurs aujourd'hui, et il est chef d'entreprise. Je le laisserai parler un peu de ça, comment un pasteur peut être théologien dans la politique, dans le monde séculier, chef d'entreprise, mais aussi il est marié à son épouse Nathalie Makangu, et ils sont très heureux dans leur mariage. Ils ont 5 enfants et je suis heureux ce soir de recevoir pour vous un ami à moi de très très longues années. Les gens étaient en train de rire en disant « Waouh, la photo de 2011, où est-ce qu'on a trouvé cela ?» Heureusement que Facebook est là, on a pu juste trouver le référencement et retrouver les photos. J'étais avec lui dans plusieurs émissions. Il était orateur à notre première école des prophètes, il était orateur à notre deuxième école des prophètes. Il est orateur à la MAP, il est orateur dans plusieurs de nos programmes. C'est un ami personnel que je chéris beaucoup. Depuis plusieurs années, on a une longue histoire tous les deux à la télévision avec différents amis. Et c'est vraiment quelqu'un que j'admire et dont j'apprécie vraiment la grâce. Alors, vous allez être bénis ce soir. Vous qui le connaissez, vous allez avoir autre chose. Et vous qui ne le connaissez pas, peut-être de loin, vous serez surpris de voir que le corps de Christ est riche et qu'il y a des grâces exceptionnel et extraordinaire. Il est la crème des crèmes. Et moi, je dis toujours, si cet homme était parmi les voitures, il serait peut-être la Ferrari des prédicateurs dans la francophonie. C'est un homme avec une intelligence
quand il parle, moi je ne parle plus. Je me dis, mais comment un homme peut avoir autant d'intelligence? Il a dit une phrase, je poserai tout à l'heure la question. Il a dit, il faut que l'onction qui descend sur la tête des chrétiens entre un peu dans leur cerveau. Alors cette phrase m'avait choqué. J'ai dit, mais comment il peut dire que l'onction entre un peu dans le cerveau? Alors c'est un homme vraiment formidable et il est l'un des meilleurs de notre génération. Aidez-moi à cuire, s'il vous plaît. Sur le plateau, on peut acclamer ensemble alors que j'invite ici le docteur Silas Mimi Makangu. On acclame très fort. Gloire à Dieu. Welcome. Merci, je vous en prie. Bonsoir, docteur. Bonsoir, prophète. Rassurez-moi que le son du docteur est bon. Rassurez-moi, je ne vais pas laisser le docteur parler et qu'on ait le même souci que tout à l'heure. Vous permettez avec votre indulgence? Voilà, permettez-moi. Est-ce que tout est bon? Bonjour, docteur. Ouais, ça va très bien. Voilà, ça c'est un test. Oui. Ce n'est pas en fait le vrai bonjour officiel. Je vais... je veux bien répondre, voilà. Alors, il faut me faire signe quand ça sera le bon. Voilà, quand c'est bon. Est-ce que c'est bon? C'est bon comme ça. C'est bon? Oui. Ou bien doit-on encore parler pour être sûr? Eh bien, je ne sais pas. C'est bon comme ça? C'est bon déjà. Voilà, on peut encore acclamer très fort. Bonsoir, docteur. Sois le bienvenu. Bonsoir. Je suis très, très, très content. Non, je suis très heureux. Très heureux d'être sur ce plateau. Juste avant de venir ici, je pensais à toutes les années passées. Oui. Et je me rends compte qu'on grandit, on prend du poids dans les corps, ouais. On s'assagit dans l'intelligence et on a gagné beaucoup en expérience. Mmh. Ce qui donne une certaine garantie pour l'avenir. Ouais. Voilà. Docteur Silas. Ah oui, prophète, je suis... Quelle joie de t'avoir ici. Je suis très content, comme je le disais, c'est la preuve qu'il y a un Dieu au ciel. Ouais. C'est la preuve que Dieu fait rencontrer des gens. Ouais. Et Dieu ne fait pas rencontrer des gens pour... une période de 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ouais. Je crois que les rencontres les plus bénissantes sont celles qui durent longtemps. Mm. Que celles qui durent longtemps. Parce qu'on apprend à se connaître soi-même au travers des autres. Mm. Ce qui arrive aux autres nous inspire. Wow. Ce qui arrive aux autres nous avertit. Wow. Et ce qui arrive aux autres nous nourrit aussi. Mm-hmm. Donc pour moi, c'est plus qu'une grâce. Vous n'êtes pas un collègue dans le ministère. Mm. Vous êtes un frère. Ouais. Vous n'êtes pas un collègue. Parce que dans la vie, il y a des gens qui sont collègues, okay. Il y a des gens qui sont amis, il y a des gens qui sont frères. Mm. Et ici, lorsque je dis que vous êtes un frère, c'est parce que j'ose croire que la rencontre d'hier mm-hmm. et celle de demain sera préservée par la sagesse que Dieu nous donne, wow. mais aussi parce qu'il sait pourquoi il nous a mis ensemble. Wow. Il nous a mis ensemble, bien que chacun peut évoluer oui. dans son domaine, mais le dénominateur commun, c'est la passion que nous avons pour le mmh. royaume de Dieu. Wow. Docteur Silas, avant d'aller plus loin, il y a quelque chose qui m'intrigue, c'est votre drapeau du Congo. Ah, oui, vraiment, oui. sur les photos, oui. sur les affiches, oui. lorsque vous prêchez, oui. vraiment à temps ou à contre-temps, oui. vous avez toujours votre si drapeau trois, de la RDC. Si j'ai trois vestes, il y a trois drapeaux. Si j'en ai six, que veut dire ce drapeau que vous emmenez partout avec vous? Au fait, c'est parce que pour moi, le Congo, au-delà d'être une nation dans laquelle je vis le jour, mm. le Congo, c'est pour moi une vocation. Wow. Vocation dans le sens où une très bonne partie de ma vocation ministérielle est orientée vers les nations yes. en général mm. et vers le Congo en particulier. Mm. Pour moi, le Congo, c'est la wow. raison... La raison d'être de plusieurs choses wow. dans le ministère. Mm. Donc, partout où je suis, il y a toujours cette pine du Congo sur toutes mes vestes. Alors, toutes mes wow. vestes, et même dans la voiture, il y a une ou deux qui sont en réserve. Mm-hmm. Au cas où le lavandier l'aurait enlevé, je les remets. Oui. Et c'est aussi pour dire aux gens mm. Que le fait pour nous de devenir prédicateurs, mm-hmm. de devenir chrétiens, mm. mais ne doit pas nous déconnecter wow. à la nation dans laquelle Dieu nous a placés. Wow. On a parlé de Jésus comme étant Jésus-Christ de Nazareth. Mm. Nazareth n'est pas une ville célèbre. Docteur, ne commence pas encore. Donc moi, je dis Jésus-Christ de Nazareth, mais je n'ai jamais réalisé au fait que ça montrait l'attachement très bien. Au pays ou à une société à laquelle il faisait société. Partie. Mais nous, je ne sais pas par quelle magie, nous voulons tellement nous identifier au ciel mm. que nous oublions notre attachement divin. Cet mm. attachement n'est pas politique, cet attachement mm. N'est pas sociologique, il est mm. divin. Mm. Parce que dans la vie, prophète, il y a des choses que l'on choisit, il y a d'autres qu'on ne choisit pas. Wow. On choisit sa femme, on choisit les quartiers où on va habiter, mm. on choisit l'église où on va prier, mm. on choisit même le pasteur qui sera votre pasteur. Mm. On ne choisit pas ses parents, mm. on ne choisit pas sa famille okay. et on ne choisit pas sa nation.
Waouh. Voilà. Et je me rends compte qu'au-delà de la veste, vous portez la RDC dans votre cœur. Je le porte dans mon cœur. Waouh. Mon cœur saigne. C'est pas parce qu'il y a un certain intérêt à la politique. Mm. C'est une dimension de mon apostolat. Wow. Une dimension de mon apostolat parce que j'ose croire que ce n'est pas par le concours des circonstances que je suis né Congolais. Wow. Ce n'est pas par le concours des circonstances que j'ai atterri dans la République démocratique du Congo. Voilà. Wow. On peut acclamer très fort pour le Seigneur. Quelle introduction magistrale. Voilà, je vous avais dit, c'est un docteur, hein? C'est un docteur et le ministère doctoral, je suis où? Le ministère doctoral est l'un des ministères que j'aime le plus. Il y avait des docteurs et des prophètes à Antioche. Il faut aussi souligner que je suis sur le plateau d'un des prophètes qui enseigne merveilleusement bien. J'ai dit, le prophète Joël Francis, c'est un des meilleurs enseignants de ma génération. Wow. Un des meilleurs enseignants dans ma nation. Wow. Et des fois, j'ai dit, il est prophète. Oui, il est docteur. Et ça, j'ai apprécié énormément. Merci beaucoup, docteur. Oh mon Dieu, je risque de rougir ici et de faire du blanc, du noir et du rouge finalement sur le visage. Mais sinon, voilà, soyez bénis. Alors, j'aimerais juste me reconnecter avec vous, juste 2 minutes. Comme ça, je suis sûr que tout se passe bien. Et on va entrer directement sur le vif de notre sujet. Voilà, on est ensemble. Voilà, les gens acclament très fort. Les gens acclament. Waouh, waouh, que Dieu soit glorifié. Waouh, waouh. Le son du docteur, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. On insiste, le son du docteur, s'il vous plaît. S'il y a des petits soucis, on me donne le micro, comme ça on peut continuer. Gloire à Dieu. Voilà, vous êtes aussi sur YouTube. Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes sur YouTube très nombreux. On est en direct sur Facebook et YouTube. Alors, s'il vous plaît, un peu d'indulgence, les petits soucis techniques du premier jour. Mais je pense que ça va aller. Je donnerai peut-être au docteur un micro, comme ça, ça peut aller beaucoup plus vite, d'accord? Merci beaucoup, merci à la technique, merci pour les efforts. Que Dieu vous bénisse. Ok, d'accord. Quelqu'un a dit heureux de vous voir ensemble, un peu plus de volume sur le micro du docteur. Gloire à Dieu. Le prophète Joël est un très bon enseignant. Oh mon Dieu, je suis flatté. D'accord, que Dieu soit glorifié et soit exalté à jamais. Amen, amen, amen. Voilà, oh mon Dieu, le feeling est très très bon, que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, oh mon Dieu, mon roi. Voilà, j'aimerais qu'on acclame pour le public qui est là. Très nombreux, très nombreux, très nombreux. On va bientôt commencer notre entretien. Vous êtes très nombreux, soyez bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ. Alors, continuez à partager le live, invitez les amis, et nous sommes en train de monter et de couler. Est-ce que je peux avoir un peu de silence ici, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Tout le monde est au four au moulin ici et il y a un très bon climat ici sur le plateau et Dieu va nous faire grâce. Est-ce qu'on est prêt? C'est parti. Rebonsoir docteur. Rebonsoir mon prophète. Je suis très content de t'avoir en cette première soirée. Le plaisir est partagé papa. Au-delà d'une invitation et de ce que j'aurais voulu pour ce thème, j'ai fait un songe. Et c'est en me réveillant de ce songe que j'étais contacté. Oui. Et l'Esprit de Dieu m'a vraiment parlé personnellement. Mm-hmm. Je me suis vu avec toi dans cette émission. Mm-hmm. J'étais avec toi, maman Claude d'ailleurs, mm-hmm. que j'ai appelé après. J'ai dit, mm-hmm. j'ai vu le docteur dans mon songe mm-hmm. et je crois que Dieu a besoin qu'il parle. Mm-hmm. Et au-delà d'un entretien, mm-hmm. je crois que Dieu veut que tu sois dans ce programme. Amen. Dieu t'a donné des choses que nous devons écouter. Amen. Dieu a des choses mm-hmm. à nous communiquer. Yeah. Et j'ai vraiment hâte d'entendre ces Amen. Choses. Et j'aimerais que tous ceux qui nous suivent soient vraiment mm-hmm. connectés mm-hmm. parce que Dieu nous fera grâce encore Amen. Ce soir. Mm-hmm. Alors, docteur Silas Makamu, ce soir, j'aimerais commencer avec un petit jeu. Mm-hmm. C'est une introduction pour moi. Mm-hmm. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, mm-hmm. Pour soutirer quelques idées de ta part, mm-hmm. j'aimerais te poser, mm-hmm. procéder à un jeu avec toi et jeu dans lequel je veux te poser des questions, mm-hmm. mais qui ne vont se résumer mm-hmm. qu'en te présentant un mot. Donc, mm-hmm. je vais te donner un mot mm-hmm. et tu me diras ce à quoi tu penses directement. Mm-hmm. En un mot, en deux mots ou okay. en une phrase, mm-hmm. si possible, je dis un mot mm-hmm. et tu me dis ce que tu penses de ce mot-là. Mm-hmm. Bon, déjà hier, c'était la fête des mères, que nous mm-hmm. saluons d'ailleurs. Mm-hmm. Et pour honorer les mères, je vais commencer par mère. Mm-hmm. Mère gardienne des destinées. Gardien de destinée. Gardien de destinée. Dieu. Dieu créateur.
C'est d'ailleurs la première révélation qu'on a de Dieu dans les Écritures. Cerveau. Don de Dieu. Cerveau. Oui, le cerveau est un don que Dieu a donné à chaque homme. Mais comme tout don qui peut être multiplié, comme tout don qui peut être maximisé, le cerveau peut croître et grandir. Je répète, cerveau. Cerveau, don de Dieu, intelligence, capacité de transformer soi-même et de transformer son environnement. Wow. RDC. Pays à vocation continentale, grenier du continent, dépôt mondial. Oui. Politique. Vraiment. Vocation. Je reprends. Politique. Vocation. Université. Ambition de rendre meilleure la vie et la société. Je souris en voulant prononcer ce mot. Potentiel. Et vous savez pourquoi d'ailleurs? Potentiel, c'est pourquoi vous êtes combattu, mais qui ne vous nourrit pas du coup, à moins que vous les transformiez. C'est-à-dire, vous pouvez avoir un potentiel, on vous combat. On croirait que vous êtes combattu inutilement. Non, on vous combat parce que vous avez un potentiel. Mais le fait d'avoir un potentiel ne vous enrichit pas. Potentiel, si je peux ajouter, responsabilité. Wow. Potentiel, responsabilité. Responsabilité. Wow. Livre. Oh, université personnelle. Livre. Livre, université personnelle. Je vais dire autrement, bibliothèque. Ah. Bibliothèque. 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 Wow. Bibliothèque, je dirais. Même Dieu a une bibliothèque. Il a un livre de souvenirs et il a un livre de vie éternelle. Même quand il n'a pas une garde-robe, il a au moins une bibliothèque. Ça, c'est la meilleure. Je n'ai jamais su d'en dire que Dieu a autant de livres, c'est-à-dire qu'il a une bibliothèque. Il a une bibliothèque. Wow. Il a un livre de vie éternelle. Il a un livre de souvenirs. Ça, ce n'est pas un prophète qui vous sort ça. Hein? Ça, il faut être docteur pour avoir cette approche. J'ai jamais entendu parler de ça. Dieu a une bibliothèque. Dieu a une bibliothèque. Je prévois alors mon thème du prochain dimanche, la bibliothèque de Dieu. Amen. Leadership. Oh, leadership. Influence. Leadership. Vision. Leadership. Succession. On s'arrête un peu. Explique-moi un peu ce que vous voulez dire par succession. Leadership, succession. Leadership, succession, dans la mesure où la force d'un leader est éprouvée, non pas de son vivant, mais après sa tombe. C'est-à-dire, on reconnaît un leader lorsque sa vision peut être pérennisée après que lui-même soit parti. Ainsi, il y a des visions qui, du vivant du leader, semblent être une blague, semblent être un mouvement de rébellion, comme le cas de Jésus. Le nombre qui suit Jésus est très petit de son vivant par rapport au nombre qui croit en lui après sa mort. Donc, leadership pense à la succession. Leadership pense aux prochaines générations. Leadership se projette dans les 10, 15, 20 et même 50 ans. Il fait un voyage vers le futur. Il voit les problèmes que l'on pourrait rencontrer dans le futur. Il revient et il équipe la génération présente et les générations à venir pour faire face aux problèmes de demain, problèmes qui ne sont pas encore là aujourd'hui. Mais les enfants sont déjà équipés.
Docteur Silas. Je ne sais pas si vous êtes en train d'entendre ce que j'entends là, c'est incroyable. Comment sont les réactions sur le net? Je peux avoir des réactions? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. J'ai encore trois mots que j'ai gardés avant d'entrer dans le vif du sujet. Intégrité. Ah, la plus grande valeur dans la vie. Wow. Intégrité. La valeur qu'on ne doit jamais manquer. On a besoin de beaucoup de choses, mais il y a une chose qui est indispensable, c'est l'intégrité. Mais ici, si vous permettez, il faut préciser. L'intégrité, c'est ce que vous êtes devant votre conscience et devant Dieu. Alors que la réputation, c'est ce que les gens entendent de vous et ce qu'ils pensent de vous. Malheureusement, et même dans les ministères, nous nous battons plus pour la réputation que pour l'intégrité. On peut ne pas croire en vous et pourtant vous êtes intègre. Vous pouvez manipuler la réputation, mais vous ne pouvez pas manipuler l'intégrité. Intègre signifie un. Intègre signifie unique. Intègre signifie inamovible. Intègre signifie constant. Et les arbres ne donnent pas les fruits prophètes parce que c'est la saison. Non, non. Un arbre donne le fruit parce qu'il est resté planté au même endroit. Déplacer un arbre, vous diminuez les chances pour que cet arbre ne donne pas le fruit demain. C'est ça l'intégrité. Bon dans la misère, bon avec un petit nom, bon avec une grande notoriété. C'est ça l'intégrité. Wow. Amitié. Oh. Amitié, 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 amitié. On ne choisit pas ce frère, mais on choisit un ami pour en faire un frère. Wow. On ne choisit pas son frère, mais on choisit un ami pour en faire un frère. Donc le but de l'amitié, c'est la fraternité. C'est la fraternité. C'est la fraternité. C'est la jonction de cœur, pas simplement des intérêts. C'est la jonction de cœur. Amitié, c'est aussi partenariat. Wow. Un ami est un partenaire. Dans le mauvais, dans les jours sombres, mais aussi dans les jours de gloire. C'est ça un ami. Un ami, amitié, je dirais aussi escalier. Qui peut vous permettre de monter, mais aussi qui peut vous faire descendre. Amitié. Amitié, je dirais aussi, même Jésus a eu besoin d'un ami. Il dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais maintenant je vous appelle mes amis. En d'autres termes, on ne se décrète pas ami. On ne s'improvise pas ami. On mérite l'amitié. Wow. Voilà pourquoi il dit, hier vous étiez serviteur, aujourd'hui je vous appelle ami. Parmi les gens que j'appelle amis, je parlerai du docteur Silas. Je me rappelle, ça fait 2 ans, peut-être moins ou plus. Je passais par des temps assez sombres de ma vie et je t'ai appelé. Et tu m'as dit, viens au bureau, on va prier. Et je n'oublierai jamais cette scène. Et je suis venu dans ton bureau. Tout n'était plus clair pour moi dans le ministère. Et tu as aménagé un peu le bureau, tu as dégagé l'espace. On a tout fermé et on s'est enfermé pour prier. Oui. Et amitié escalier. Oui. C'est très fort. Il me reste 2 mots. Prophétique. Ah, prophétique. Pensée de Dieu. Avance, prof. Avance, docteur. Prophétique, c'est poursuivre la pensée de Dieu. Prophétique, c'est anticiper dans le temps parce que Dieu vit au-delà du temps. Prophétique, c'est battre pour que ce qui est au ciel soit conforme. Pour ce qui est sous la terre, voulais-je dire, c'est conforme à ce qui est au ciel. Prophétique, au-delà d'être un titre, au-delà d'être un adjectif, prophétique, c'est une vocation. C'est une voix. Wow. La voix de Dieu sur la terre.
C'est l'écho de murmure de Dieu. Lorsque Dieu murmure, ce murmure-là constitue ce que j'appelle le voix prophétique. Prophétique, c'est être aveugle à ce qui se passe sur la terre et attentif à ce qui se fait dans le ciel. Oh my God. Prophétique, c'est comprendre que les intérêts de Dieu priment sur les intérêts des hommes. Être prophétique, c'est de se rassurer que les antennes que nous plaçons s'aligne dans la direction qui met le ciel. Parce qu'en étant prophétique, il y a risque que vous soyez impopulaire parce que personne ne vous comprend. Mon Dieu. Pour la simple raison que vous êtes trop en avance de ce que les gens voient aujourd'hui. Et vous, vous avez le privilège en étant prophétique, en étant une église prophétique, en étant une femme prophétique, de voir la fin d'une chose avant son commencement. C'est ça, prophétique. Prophétique, c'est vivre pour Dieu, par Dieu et avec Dieu. Ça, prophétique, c'est vivre pour Dieu, par Dieu, par Dieu et avec Dieu. Vous vivez pour les intérêts de Dieu. Mais vous ne pouvez pas prétendre vivre pour les intérêts de Dieu si Dieu ne vous accompagne pas. C'est là où Moïse dit à Dieu, nous ne partirons pas d'ici si toi-même tu ne viens pas avec nous. Oui. Parce que Moïse a compris, plus vous côtoyez Dieu, plus vous vous rendez compte que Dieu devient plus important que la terre de Canaan. La seule garantie que vous aurez Canaan, n'est pas parce que vous connaissez l'itinéraire de Canaan, mais c'est parce que l'auteur de la promesse est avec vous. Prophétique, c'est comprendre qu'on ne peut pas prendre les biens dans la maison du Père et aller prospérer loin de la maison du Père, comme le fils prodigue. En d'autres termes, les richesses du Père ne se consomment que dans la présence du Père. Prenez un mariage dans la présence de Dieu. Mon Dieu. Prenez un pouvoir dans la présence de Dieu et osez aller vivre avec loin de Dieu. Il disparaîtra. Pourquoi? Parce que les choses de Dieu ne prospèrent que dans la présence de Dieu. Plus vous côtoyez Dieu, vous vous rendez compte que Dieu devient plus important que les mariages qu'il vous a promis. Il devient plus important que le nom qu'il vous a promis. Il devient plus important que le ministère qu'il a promis de faire éclater. Ceux qui prétendent aller là où Dieu les conduit sans Dieu, c'est certainement parce qu'ils n'ont pas compris qu'avec Dieu est plus important que pour Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit avec Dieu nous ferons des exploits. On ne fait pas des exploits pour Dieu, on fait des exploits avec Dieu. Voyez-vous, c'est avec Dieu qu'on fait les exploits. Pourquoi j'insiste sur avec? C'est parce que la bénédiction ne vous change pas. Votre stabilisation ou encore votre établissement, votre établissement dans la terre promise ne vous change pas. Ce qui vous change, c'est la fréquentation avec Dieu. Ainsi donc, Dieu considère que votre vie est plus importante que ce qu'il vous a promis. Voilà pourquoi il peut vous garder 40 ans dans le désert. Non pas parce que Canaan a disparu, mais parce qu'il veut s'implémenter en lui. Il veut se déverser en vous. Il veut se reproduire en vous. Et la seule façon pour lui de se reproduire en vous, c'est de vous garder pendant un temps avec lui avant de vous libérer pour lui. Ainsi donc, Jésus avait tous les pouvoirs d'envoyer les disciples aller prêcher, aller exercer les ministères. Mais il les a gardés 3 ans avec lui. Pourquoi? Parce qu'il sait aussi que l'impact de là où vous irez dépend de combien de temps vous êtes resté avec moi. Alléluia. Donc, on ne fait pas les exploits pour Dieu, on fait des exploits avec Dieu. Waouh, on peut acclamer très fort. Ça c'est. This is something else. Oh mon Dieu. On a plus de 1500 personnes connectées ce soir. Je vais poser la technique. Préparez-moi le générique de notre
le générique de notre programme. On va prendre ça comme une transition. Vous me lancez ça deux fois. Et maintenant, je vais entrer dans la deuxième partie de notre conversation. Comme ça, on va entrer directement dans l'échange. Mais je pose ma dernière question, docteur. Mon dernier mot, c'est celui-ci. Covid-19. Covid-19. Intrus. Personne ne l'a prévu. Et pourtant, il nous a montré qu'il n'y a qu'un seul maître sur la terre. Il nous a montré que la technologie nous fait avancer, mais ne nous protège pas. Covid nous a fait comprendre qu'on ne peut pas rester longtemps dans le conjoncturel. Il faut investir dans le structurel. C'est-à-dire, on ne doit pas répondre parce que quelque chose vient d'arriver, mais on doit avoir des structures qui existe au cas où quelque chose arrive. Oh mon Dieu. Docteur, s'il te plaît, tu peux insister sur ça. J'aimerais que quelqu'un qui me suit entende bien ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire, Covid, pour les nations en général, nous montre ça, c'est que le conjoncturel ne peut pas remplacer le structurel. Ok. On doit faire face à ces choses, à cette pandémie, non pas parce qu'elle arrive, mais il nous faut des structures qui existent pour qu'au cas où quelque chose d'imprévu arrive, nous fassions preuve face à cela. Ne vous en faites pas. Les nations les mieux équipées sont les nations les plus frappées. Je peux vous garantir que ces nations les mieux équipées se relèveront plus vite que les nations les moins frappées. Pourquoi? Parce que les nations les moins frappées sont dans le conjoncturel. Nous organisons des intercessions parce qu'il y a un décès, parce qu'il y a un problème dans l'église. Mais les nations qui sont dans le structurel, ils ont des agences, ils ont des laboratoires qui existent. Même si aujourd'hui elles peuvent être les plus frappées, elles seront les celles qui vont se relever le plus vite. Voilà pourquoi prophète, lorsque dans la prophétie d'Ézéchiel chapitre 37, Dieu a fait promener le prophète Ézéchiel dans la vallée des ossements. Il pose la question à Ézéchiel. La Bible dit, Ézéchiel dit que ses ossements étaient nombreux, étaient secs, et ils étaient tous dans une vallée, entassés. Dieu pose la question à Ézéchiel, fils de l'homme, ces ossements peuvent-ils revivre? Pourquoi Dieu a préservé les ossements? Parce que les ossements sont les structures. Ah mon Dieu. Là où il existe les structures, la restauration est rapide. Jésus ne pouvait pas multiplier. Jésus ne pouvait pas changer l'eau en sang, en vin, pardon, s'il n'y avait pas de jarre ou de vase. Le problème n'est pas seulement que l'eau devienne du vin. Mais le problème, c'est que Jésus avait des vases. La présence des structures garantit notre témoigne de notre sérieux par rapport à la vie, sérieux par rapport à notre futur. Quand Ézéchiel a commencé à prophétiser, la première des choses que Dieu a opérées comme miracle, c'est que les squelettes se sont rassemblés. Les tibias a pris sa place, l'omoplate a pris sa place. C'est-à-dire la restauration commence par les structures, l'ossature. Il faut aller du conjoncturel vers le structurel. Il vaut mieux avoir une assiette sans nourriture que d'entendre une nourriture sans préparer une assiette. Oh mon Dieu. La Bible dit, pour la veuve, la femme du prophète, alors qu'elle remplissait l'huile, Dieu n'a jamais décidé que l'huile devait s'arrêter. Ce qui arrête l'huile, c'est parce que la Bible dit, il n'y a plus de vase. Puisqu'il n'y a plus de vase, Dieu arrête les structures. C'est quoi les structures pour nous en tant qu'individus? C'est quoi les structures pour nous en tant qu'enfants de Dieu? Avance, docteur. Chef d'entreprise, avance, docteur. Père de famille. Avance, docteur. Les structures, ce sont nos planifications. Exactement. J'ai du respect, j'ai de l'admiration pour ceux qui dorment encore au sol, dans les salons d'autrui, qui ne savent pas où placer leur tête, mais néanmoins, ils ont un plan de leur futur. Ils savent ce que dans 5 ans, ils comptent faire. C'est-à-dire, le royaume des cieux est un royaume de miracles, mais pas un royaume d'improvisation.
Le royaume de Dieu est un royaume de miracles, mais pas un royaume de précipitation. Oui. Dieu crée des miracles, mais Dieu n'improvise pas. Tout miracle que Dieu fait, prophète, ce miracle a été prévu par Dieu. Yes. Et vous regarderez que tout autour, il y a eu quelque chose qui a été prévu pour que ce miracle ait lieu. Et nous devons comprendre que nos églises, nos familles, nous ne sommes plus au temps où nous devons élever les enfants pour qu'ils se débrouillent quand ils grandiront pour devenir des... On ne doit plus élever des enfants. Faut des structures. On doit structurer les enfants. Voilà. Je vous donne un témoignage. Une femme a deux enfants. Les enfants semblent avoir le même âge et pourtant, il y a une différence de 2 ans. Le jour où il va au travail avec ses 2 enfants, son patron lui pose la question. Il dit, ma servante, tu m'as dit que tu avais 2 enfants, mais tu ne m'as jamais dit qu'ils étaient des jumeaux. La servante regarde son patron, elle n'est que servante. Elle n'a rien, elle vit du maigre salaire qu'on lui paye. Mais elle répond à son patron, non patron, ce ne sont pas des jumeaux. Le médecin a 8 ans et l'avocat a 6 ans. C'est-à-dire quoi? Cette femme, bien qu'étant pauvre, elle n'élève pas 2 enfants, elle prépare un avocat, elle prépare un médecin. Ça le structure. Structure... Le structure nous permet. My God. Avance, je sens, je sens. Non, il y a une fois je sens l'onction. Je sens. I feel something. Yes, go ahead, man of God. Go ahead. Ok. Les structures sont la preuve que nous croyons que notre conversion n'est pas une chance. Nous croyons que notre alliance avec Dieu n'est pas juste un discours. Yes. Nous croyons que notre vie ne se limite pas aux maigres ressources que nous avons dans nos poches, mais que notre vie s'étend au-delà de ce que nous avons parce qu'elle se fonde sur le potentiel que Dieu a pour nous. Yes. Ainsi, nous structurons. Yes. Prophète, yes. Deux pains, deux poissons. Les miracles vont s'opérer. Les miracles ne vont pas s'opérer parce que Jésus est là. Jésus dit, faites-les asseoir dans le groupe de 10, 50 et 100. C'est-à-dire, la structure, la planification, la programmation, c'est là où je suis tombé amoureux du thème quand vous avez parlé de la réinitialisation. Parce que la réinitialisation, ce mot aussi n'est pas facile. Pas facile à prononcer, docteur. La réinitialisation n'est pas un accident. Yes. Partout où il y a initialisation, c'est-à-dire, il y a quelqu'un qui s'est assis, qui connaît son but et qui a dit, voilà l'itinéraire que je suivrai. Comment? Voilà ce que je vais faire. Donc Jésus dit, faites-les asseoir dans un groupe de 10, de 50 et de 100. Plus longtemps qu'il n'y aura pas d'ordre, il n'y aura pas multiplication. La multiplication n'est pas seulement le fruit de la puissance de Dieu. La multiplication relève de l'ordre. L'ordre, c'est l'alphabet de Dieu. L'ordre, c'est le langage de Dieu. L'ordre, c'est la méthode de Dieu. Dieu est un Dieu d'ordre. Ordre signifie organiser. Dieu fait des miracles, mais Dieu n'improvise pas. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, vous n'avez pas le droit d'enterrer. Vous n'avez pas le droit d'enterrer l'année 2020 à cause du confinement. Confinez-vous, mais ne confinez pas votre destinée. Amen. Confinez-vous, mais ne confinez pas les ambitions que vous avez pour l'année 2020. Il est possible avec Dieu que dans les 3 derniers mois l'année, que vous fassiez ce que vous n'avez pas pu faire dans les 9 premiers mois de l'année. Mais tout repose sur l'ordre, la préparation, la structure. Avez-vous des vases? L'huile coulera. Avez-vous des vases? Remplissez les dos. Vous voulez une armée? Rassemblez les squelettes. C'est-à-dire, la structure, c'est la preuve que je crois que le fait d'aller à l'église n'est pas juste une tradition. Je suis en train de construire quelque chose. Je n'ai pas eu des enfants. J'élève des hommes. Celui-ci qui sera avocat, celui-ci sera médecin. C'est ça. Même pour nous, pasteurs, nous ne sommes pas là. Les gens ne viennent pas à l'église seulement parce qu'ils ont un problème de péché. Ils ne viennent pas seulement à l'église parce qu'ils ont un problème de combat de sorciers dans leur famille. La plupart des problèmes pour lesquels les gens viennent à l'église est un prétexte que Dieu utilise pour les amener à lui et enfin de lui révéler, de leur révéler ses desseins. Ainsi donc, le prophète doit être celui qui, quand même l'homme n'a pas encore trouvé solution à son problème, mais qu'on lui fasse comprendre que ton problème n'est qu'un prétexte. Il y a des Saouls qui sortent pour chercher les ânesses, mais les ânesses se rentrent retrouvées sans vous.
Si vous rentrez avec les ânesses, vous n'avez pas réussi. Parce que le but de Dieu n'était pas que vous retrouviez les ânesses. Le but de Dieu, c'était que vous trouviez la couronne. Royauté sur Israël. Yes. C'est ça, cette dimension des choses à laquelle Dieu nous appelle, prophète. Nous déclarons sur quelqu'un qui est en train de nous suivre ce soir. Quels que soient les 6 prochains mois de l'année, quelqu'un dit, j'ai perdu 6 mois, je n'ai pas réalisé mes projets, je n'ai pas su accoucher mes idées, je n'ai pas su matérialiser ce que j'avais en tête. Nous déclarons avec l'onction prophétique et doctorale que les 6 prochains mois qui te restent, nous déclarons que les 6 prochains mois qui te restent, tu feras au-delà de ce que tu as pensé, au-delà de ce que tu as imaginé. Amen. Nous décrétons et déclarons que ton intelligence est renouvelée. Amen. Que Dieu met de l'ordre dans tes pensées. Amen. De l'ordre dans ton raisonnement. Amen. Le souci s'en va. Yeah. L'anxiété s'en va, les inquiétudes s'en vont. Amen. Tu es posé, tu réfléchis et tu médites, tu structures et organises ta vie. Et Dieu n'est pas un Dieu d'improvisation, mais Dieu est un Dieu de miracles. Docteur, dis un mot en déclarant sur quelqu'un qui est en train de nous suivre. Je suis en train de parler à la personne qui me suit maintenant. Exactement. Alléluia. Ce qui t'arrive dans la vie, tout ne vient pas du diable. Yes. Le diable, Dieu a même utilisé le diable comme prétexte. Yes. Afin de te tourmenter dans ton aisance. Mais cette aisance ne correspond à rien, à la chose que Dieu veut pour toi. Yes. Je déclare sur toi au nom de Jésus que tu ne retrouveras pas seulement ce que tu as perdu. Yes. Tu retrouveras aussi ce qu'il te fallait. Yes. Tu ne retrouveras pas seulement ce que tu as perdu. Hallelujah. Tu retrouveras aussi ce que tu as perdu. Je parle à quelqu'un ici. In Jesus tu name. Sortiras pour ramasser, pour glaner des blés dans un champ, mais tu ne rentreras pas seulement avec un panier de blé. Tu rentreras avec une alliance de Boaz. Hallelujah. Je déclare au nom de Jésus. 2020 n'est pas fini. 2020 ne sera pas une parenthèse. Rabassate. Je déclare sur quelqu'un, tu te relèveras. 2020 ne sera pas une parenthèse. 2020 ne sera pas une année blanche. Yes. Dieu est capable, Alléluia, en moins de 2 jours, d'accomplir pour toi, Amen, ce qui n'a pas été fait dans 333 Alléluia. Jours. J'annonce à quelqu'un, yes, une lumière est sur le point de, yes, pénétrer ta maison. Alléluia. Une lumière est sur le point de pénétrer. Alléluia. Dieu a fait que parce que les gens s'éloignent de toi de gauche et à droite, yes, afin que de véritables amis, Alléluia, de la destinée, te localisent et qu'ils viennent vers toi. Tu n'es pas comme les autres. Alléluia. Tu n'es pas le fruit du hasard. Docteur. Ta vie n'est pas un tâtonnement. Ta vie n'est pas un stage professionnel. Yes. Dieu est conscient de ce que tu es. Comment? Il sait ce qu'il veut pour toi. Alléluia. Et il le fera. Carabasha. Je dis bien, il le fera. Alléluia. Je dis bien, il le fera. Alléluia. Il ne t'aurait pas promis s'il n'avait pas l'intention de faire. Yes. Dieu ne parle pas pour le plaisir. Yes. Dieu ne parle pas pour amuser. Il ne parle que des choses dont il a l'intention de faire. Yes. Il ne parle que des choses qu'il a décidé de faire. Yes. S'il ne parle pas, il ne le fera pas. Et je peux encore aller plus loin pour vas-y, toi. Vas-y, plus loin, docteur. Quand Dieu fera, il fera au-delà de ce qu'il a dit. Comment? Quand Dieu fera, il fera au-delà du rêve que tu as fait. Mm. Quand Dieu fera, il fera au-delà de ce que le prophète a dit. Mm. Joseph savait qu'il allait dominer sur ses frères. Voilà pourquoi il n'avait que 11 gerbes se courber devant lui. Oh 11 my God. Étoiles se courber devant oh lui. My God. Mais dans ces rêves-là, il n'y a jamais eu Potiphar. Hey! Il n'y a jamais eu Comment? Pharaon. Il n'y a jamais eu qui Comment? Que ce soit. Oh my God. Dit, le rêve que Dieu va accomplir va au-delà. Yes. En d'autres termes, ta prophétie est une prophétie de 4 minutes. Mm. Alors que la réalisation de cette prophétie dépendra 4 heures du temps. Karabashat. Ce que Dieu pense est plus grand que ce qu'il a dit. Hey! Dis-moi, dis avec moi, Dieu ne m'a pas tout dit. Dieu ne m'a pas tout dit. Dis avec moi, Dieu ne m'a pas tout dit. Dieu ne m'a pas tout dit. Dieu t'a dit que je te leverai. Tu penses qu'il te levera dans ton quartier. Mm. Aujourd'hui, tu te rends compte que tu deviens une référence pour les nations. Comment? Écoutez, et pourtant, en ces temps-là, tu ne pouvais même pas t'imaginer que les nations pouvaient être une ambition pour toi. Qui n'a ça? En réalité, Dieu ne te consulte pas pour te donner quelque chose. Parce que tu ne vis pas pour plaire, oh my God. Avance, docteur. Tu n'as pas besoin de séduire Dieu. Tu n'as pas besoin de séduire Dieu. Comment? Tu as juste besoin de croire en Dieu. Dieu fera pour toi au-delà. Je dis, Dieu fera pour toi au-delà. Ceux qui se moquent de toi, Comment? Ceux qui t'attaquent aujourd'hui, doivent prendre leur mal en passant. Comment? Qu'ils soient calmes.
Parce que ce que Dieu a fait jusque-là ne représente rien par rapport à ce qu'il va faire demain. Come on. Dans les rêves de Joseph, yes, il a vu son père, il a vu ses frères, oh, bien-aimés. Il n'a pas vu la primature. Hey. Il n'a pas vu l'autorité sur les armées de l'Égypte. Oh my God. Dit à quelqu'un, la bouche du prophète est trop petite pour t'annoncer tout ce que Dieu va faire. Docteur, répète s'il te plaît, répète. La bouche de Dieu est trop petite pour t'annoncer tout ce que Dieu va faire. Parce que quand le prophète Dieu il te dit que Dieu va t'élever, tu dis que Dieu va m'élever dans ma famille. Mais Dieu ne t'a pas encore dit que l'élévation en question, ce n'est pas la famille, c'est la nation. La bouche du prophète est trop petite pour dire tout ce que Dieu a prévu de faire pour toi. Docteur, il y a quelqu'un qui est en train de dire ici, j'avais de forts maux de tête. Et alors que le docteur parle, je suis guéri instantanément. Je crois qu'il y a des miracles partout dans plusieurs nations, dans plusieurs continents, alors que le docteur parle. Une pluie de guérison. Alléluia. Une pluie de guérison. Alléluia. Des guérisons des maladies incurables. Des guérisons des maladies qu'on peut expliquer. Alléluia. Et celles qu'on ne peut pas expliquer. Yes. Le Dieu que nous sommes en train de prêcher. Comment? C'est ça la beauté de Dieu. Yes. Dieu n'est pas emprisonné dans les quatre murs de nos églises. Yes. Locales. Dieu n'est pas emprisonné dans les 4000 de nos églises locales. Come on. Même en dehors de nos églises. Yes. Dieu est capable de guérir. Come on. Bien-aimé, d'ailleurs, quand vous lisez très bien la Bible, vous constaterez que Jésus n'a fait qu'un seul miracle dans les temples. En guérissant la femme qui avait le dos courbé. Tous les miracles que Jésus a fait, c'était en dehors du temple. Qu'est-ce que cela signifie? Cela ne signifie pas que Jésus est contre les temples. Mais cela signifie simplement, Jésus dit, ne confinez pas ma puissance. Hey! Ne confinez pas l'onction. Ne confinez pas ma puissance. Même en dehors de sa, de sa maison, on peut être guéri. Comment? Ainsi, je dis à quelqu'un, là où tu es, de partout où tu nous suis, un miracle est en train de s'opérer. Alléluia. Alors que tout le monde est en train d'être licencié à cause du COVID, toi tu auras un travail meilleur que celui que tu as aujourd'hui. Alléluia. Je le déclare au nom de, au Jésus, nom de Jésus. En tant que prophète de Dieu, dans les 14 jours devant nous, une visitation comme tu n'as jamais imaginé. Yes. Une visitation qui ne ressemble en rien à ce qui a été fait dans les 10 années passées. Alléluia. Oh mon Dieu, mon roi. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Quelle parole, Oh mon Dieu, mon roi. Nous aimerons déclarer dans les 14 jours. Faites-moi signe quand le spot est prêt. Nous allons passer à la transition. Nous déclarons dans les 14 jours qui viennent, Dieu va faire au-delà de ce que tu as pensé et imaginé. Et dans le nom de Jésus, au-delà de ce que tu as vu dans les rêves, au-delà de ce que tu as imaginé, Dieu va aller au-delà. Uh-huh. Voilà pourquoi j'aime ce que David dit. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Déborde. Le débordement, c'est ce qu'on appelle en anglais overflow. Come on. Dans le overflow, c'est la tasse qui est sous la sous-tasse et il y a le... Et il y a la table et il y a la nappe. Uh-huh. Mais maintenant, lorsqu'il y a overflow, ce n'est pas que la tasse qui est remplie, c'est aussi sous-tasse remplie, c'est aussi la table. C'est là où quand Dieu vous bénit et fait de vous une bénédiction. Mm. Parce que la bénédiction que vous recevez, c'est le plus faible niveau de bénédiction dans le royaume de Dieu. L'intention de Dieu n'est pas seulement de vous bénir, mais faire de vous une bénédiction. C'est-à-dire, vous êtes béni, même les gens qui ne vous connaissent pas sont bénis. Même les gens qui ne vous parlent pas sont bénis. Vos cousins sont bénis parce qu'ils portent le même nom que vous. Celui qui vous a enseigné est béni parce qu'il dit aux autres que c'est moi qui l'ai enseigné. Comment? Ton pasteur est béni parce qu'il se présente en disant c'est moi son Overflow. Nous prophétisons overflow pour les 6 prochains mois, précisément pour les 14 prochains jours, comme le docteur a eu à dire ici. Come on. Alors que nous sommes dans la réinitialisation prophétique, il y a overflow cette année. Dieu te donne toi et te donne la capacité d'en donner à ton quartier, d'en donner à ta ville, d'en donner à ta nation et aux nations de la terre. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Amen. Oh mon Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Très fort pour le Seigneur. Voilà, voilà ce qu'on va faire. Je suis ici. Wow, docteur, c'est formidable. On va prendre une transition de 2 minutes. Durant 2 minutes, on va laisser le docteur prendre un verre d'eau. Et oh mon Dieu, mon roi, je ne sais pas ce qui se passe ici. Quelle gloire, quelle gloire, quelle gloire. Je reçois des commentaires incroyables ici. Les gens disent un live intelligent,
Les gens sont bénis. Je prends quelques commentaires. Dans les 14 jours, Dieu va m'épater au-delà de mes attentes. Dieu te bénisse, béni de Dieu. Il y a d'autres réactions. Zambena, Bangio, Gracie, Elengesa. Je ne sais pas ce qu'elle sent là où elle est. Quelqu'un avait dit, je pousse tes cris là où je suis. Quelqu'un dit, ne coupez pas le feeling. Quelqu'un dit, oh mon Dieu, mon roi. Ne vous en faites pas. On va de gloire en gloire. C'est le overflow. Amen. On va de gloire en gloire. Ah, quelqu'un a dit, je ne sais pas si je dois pleurer, si je dois rire, je dois crier. Oh mon Dieu, mon roi, the lies of the prophets and teachers. Gloire à Dieu. Quelle gloire, quelle gloire. Quelqu'un dit, je me suis agenouillé. Quelqu'un dit, nous sommes au Jourdain. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on peut ici acclamer très fort pour le Seigneur? On est à plus de 1700 personnes connectées ce soir. Vous nous suivez de partout dans le monde entier. Dans deux minutes, je vais revenir et nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet. Si je suis en accord avec la technique, votre responsabilité, c'est d'être là, de partager. Donc, pendant que nous, on est en pause, vous partagez le direct. On fera peut-être juste une minute même, une minute, je pense, une minute. Et puis, je reviens directement et je poserai des questions au docteur et vous aurez des réponses à vos questions. À tout de suite. Acclamer très fort pour le Seigneur, voilà. Acclamez bien, acclamez bien, acclamez bien. J'aimerais voir tout le monde acclamer ici très fort pour le Seigneur. Waouh, waouh, waouh. Je crois que waouh, c'est ce qu'on utilise aujourd'hui. Mais autrefois, dans le livre de Nombres, vous allez voir que lorsque la manne est tombée du ciel, les enfants d'Israël ont dit manrou, qui veut dire waouh, c'est quoi ça encore? Et je crois que Dieu est sur le point de t'étonner encore. Alors, ne te déconnecte pas, sois connecté, parce que les vraies choses vont maintenant commencer. Est-ce que tu es prêt là où tu es? Alors, j'aimerais voir si nous sommes effectivement là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous entrons dans la deuxième phase et nous allons maintenant passer à une autre étape de notre direct de ce soir. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà. Alors, là où vous êtes, partagez le direct, invitez les amis. OK? Partagez le direct, invitez les amis, partagez le direct, invitez les amis. Ce live est dans l'esprit de la télévision, right? Donc là où vous êtes, partagez le direct, invitez les amis à quelque chose de fort que Dieu va faire.
Alors là où tu es, j'aimerais t'attendre, partager comme tu n'as partagé. Voilà, on était déjà à 1700. Voilà, il y a près de 500. Voilà, reconnectez-vous. Partage le direct. Invite. Labradia Satsadabashanda. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On est à 1400. Continue à partager le direct. Invitez les amis. Est-ce qu'on peut le faire ainsi? On peut faire ainsi. Continue à partager. Allez au bas de l'écran. Invitez les amis. Partagez le direct. Les vraies choses commencent. Maintenant, on entre dans le vif du sujet. Et après, on va prier et rendre gloire à Dieu. Parce que ce premier jour a été un jour vraiment, vraiment, vraiment glorieux. On est à 1400. On peut continuer à monter. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous savez, généralement, les chrétiens aiment seulement reçois ton miracle. On prie pour toi. Jésus veut multiplier le pain, mais il a besoin d'ordre, ok? C'est important de l'adoration, mais c'est aussi plus important d'avoir des réflexions, des méditations, des échanges où tu peux réordonner ta manière de penser, réordonner ta manière de réfléchir et de voir la vie, de voir le ministère, de voir la famille et de voir surtout ce soir l'Église et la nation, ok? On parlera ce soir avec le docteur autour du thème l'Église et La destinée nationale. C'est très, très, très fort. Et il est expert dans ce domaine. C'est un domaine dans lequel il nage, un domaine dans lequel il se réveille et il dort. Il est connu pour cela. Il s'est adressé plusieurs fois à des grandes organisations de notre pays. Il est mentor de plusieurs leaders politiques. Et je reçois même le témoignage de quelqu'un dernièrement, même celui qui est actuellement, je crois, celui qui s'occupe de notre équipe nationale, c'est ça? Oui. Oui, j'ai même entendu le témoignage quelque part. Vous avez prophétisé pour lui. Donc, il a un impact sur le domaine des médias, sur le domaine des hommes politiques, des hommes et des femmes d'affaires. Et vraiment, j'ai hâte de lui poser des questions et j'ai hâte que nous puissions dire amen aux réponses que nous allons recevoir. Alors, nous sommes en train de parler sur l'Église du futur, l'Église post-COVID-19 et Église, nation, l'Église, corps du Christ dans les nations, ce que nos nations vivent aujourd'hui. L'actualité est dominée par Black Lives Matter aux États-Unis. Un genou à terre, le poing, le bras droit levé. Les Noirs qui expriment un ras-le-bol. Plusieurs en voie de devenir millionnaires. Kanye West, le patron de Amazon, en voie d'être le premier trillionnaire. La bourse qui a chuté, des entreprises qui vont fermer, d'autres qui prennent de l'envergure. Beaucoup de choses, nous nous posons comme question. Alors, dans l'Église, dans tout ça, quelle est la part de l'Église, le rôle de l'Église, le rôle des pasteurs? Il y a toutes ces questions qu'on se pose. Alors, tournez-vous avec moi ici. Je suis avec le docteur Silas Mimil Makamungu, avec qui nous allons vraiment entrer dans le vif du sujet. Docteur, j'aimerais, alors que nous parlons et plusieurs nous écoutent, que vous puissiez me définir ce que vous entendez par Église. Je définis l'Église comme étant une organisation divine mise en place par Jésus-Christ pour une mission précise, celle de réconcilier l'homme avec Dieu. Ah. Mais la portée de l'Église ne peut être que comprise que lorsque l'on la saisit dans sa dimension étymologique. Parce que le mot « ecclésia » n'est pas un mot que Jésus a fabriqué, ce n'est pas un mot que lui a apporté. Jésus a emprunté un mot qui existait bien avant sa naissance pour parler de l'Église. Voilà pourquoi il dit « mon ecclésia ». Je bâtirai mon ecclésia parce qu'une ecclésia existait déjà. C'est quoi une ecclésia? Une ecclésia était une assemblée composée de sages, composée de personnes illuminées, composée de l'élite qui se réunissait en dehors de la cité dans le but de décider des problèmes de la cité et du futur de la cité. Des problèmes de la cité et de son futur de la cité. C'est-à-dire, l'avenir de la cité dépendait des décisions ou des résolutions de l'ecclésia. L'ecclésia devait se réunir en dehors de la cité pour ne pas être influencé par la cité. Car on ne peut pas influencer celui qui vous influence. Voilà pourquoi il fallait être mis à l'écart. C'est comme ça, plus loin, que Jésus dira, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Okay. C'est-à-dire, on ne peut pas influencer le monde si nous sommes totalement submergés dans le monde. Il faut prendre un écart avec le monde pour apporter la pensée du royaume dans le monde. C'est ça l'Église. Et cette Église, en tant que structure,
n'est pas seulement une composition d'hommes et de femmes. Mmh. Voilà pourquoi, avec les apôtres, et ils vont définir la manière dont est composée l'Ecclésia. Mmh. Ils vont définir la manière dont est composée l'Ecclésia en disant que cette Ecclésia a des structures, cette Ecclésia a des instruments. Et parmi les instruments qu'il y a dans cette Ecclésia, il y a les ministères post-ascension. Mm-hmm. L'apôtre, prophète, le docteur, l'évangéliste et le pasteur. Mm-hmm. Chacun d'entre eux a reçu de Dieu un mandat spécifique pour apporter le message fondamental du salut de l'homme, mais avec une approche totalement différente. Parce que quand un apôtre parle, c'est différent d'un prophète. Oui. Quand un évangéliste parle, c'est différent d'un docteur. Quand un docteur parle, c'est différent d'un prophète. Quand un pasteur parle, c'est différent d'un docteur. Cette structure-là, au-delà d'être seulement le lieu où Dieu veut réunir et réconcilier, le lieu qui est censé être la réconciliation, le lieu de la réconciliation entre l'homme et son Dieu, c'est aussi l'agence de Dieu sur la terre. Voilà pourquoi la Bible dit par l'apôtre Paul que c'est par l'Église que le monde connaîtra la sagesse infiniment variée de Dieu. De la même manière qu'on va vers l'ambassade des États-Unis pour savoir entrer en contact avec le gouvernement des États-Unis, de la même manière qu'on va dans une ambassade pour entrer en contact avec les structures officielles de ces pays, c'est ça le rôle de l'Église. C'est-à-dire à chaque fois que les hommes, les gouvernements, les institutions seront bloqués et qu'ils auront besoin de Dieu, le cadre approprié, c'est l'Église. Mais une Église ne peut pas être ce cadre approprié si elle-même ne tient pas compte de son identité. Si elle-même ne tient pas compte de son identité. Il faudrait que l'Église puisse récupérer son identité pour comprendre que nous ne sommes pas un groupe de clochards. Nous ne sommes pas un groupe de personnes qui cherchent les mariages parce qu'on peut trouver les mariages même en dehors de l'Église. Ouais. Nos parents ont été mariés en dehors de l'Église. C'est pour comprendre qu'on ne vient pas à l'Église pour le travail. On peut trouver du travail sans l'Église. On peut trouver le voyage sans l'Église. C'est-à-dire, l'Église, c'est au-delà de ces choses. Oui. L'Église, fondamentalement, réconcilie l'homme avec son Dieu, wow. Révéler à l'homme la pensée de son Dieu, et aussi amener cet homme à devenir un instrument pour l'expansion du royaume de Dieu sur la terre. Voilà comment est-ce que j'ai défini l'Église. Et cette Église, elle est plurielle. Plurielle dans ses dimensions. Il y a la dimension universelle, il y a la dimension locale. La dimension universelle de l'Église qu'on appelle corps du Christ. Cette Église n'a pas d'âge. Là. Cette Église-là n'est pas localisable. C'est l'Église corps du Christ, c'est l'Église des chrétiens morts et des chrétiens qui ne sont pas encore nés. Ouais. C'est l'Église dont on ne sait pas compter le nombre. Ouais. Dieu seul connaît combien de gens il y a dans son Église. Là, c'est l'Église universelle. Universelle. Wow. Parce que dans l'Église universelle, il y a des gens qui sont dans l'Église locale sans être dans l'Église universelle. Parce que dans l'Église locale, ce sont les hommes qui comptent. Il y a eu 200 personnes aujourd'hui. Mais dans l'Église universelle, c'est Dieu lui-même qui compte. Parce que dans nos églises, nous avons des gens qui ont été invités, mais qui n'ont pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc, il est membre d'une église locale, mais il n'est pas encore membre de l'Église universelle. Parce que l'Église universelle, c'est une autre désignation du royaume. De Dieu. Oui. On entre dans le royaume de Dieu non pas en fréquentant une église, mais en recevant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il y a des gens, moi par exemple, j'ai grandi dans l'église, mais sans être né de nouveau. Je suis né de nouveau après avoir déjà fréquenté l'église plus d'une fois parce que les parents nous conduisaient. Oui. J'étais membre d'une église locale, mais je n'étais pas encore membre du royaume. C'est là où aujourd'hui, avec tout ce qui nous arrive et le COVID-19, il y a lieu pour l'Église de revisiter son message, de revisiter ses priorités. En d'autres termes, que la force de l'Église ne repose pas sur le nombre de personnes qui nous fréquentent, mais plutôt sur le nombre de personnes que nous avons introduites dans le royaume. Comment? En leur présentant Christ comme Seigneur et Sauveur. Docteur, vous êtes en train de me provoquer parce que j'ai tellement de questions. Je sais qu'il y a des gens qui se posent beaucoup de questions. Mais j'aimerais savoir, docteur, par rapport au COVID-19, nous sommes en période de déconfinement. Vous avez donné brillamment une définition de l'Église. Je crois que beaucoup de gens qui sont là ont compris la différence entre l'Église locale, l'Église universelle et même le royaume. Et il semble, docteur, qu'on a tous été surpris comme tout le monde face au COVID-19. Nos églises ont fermé. Oui. Autant que les bars. Oui. Et l'Église et ceux du monde, en fait, tous ensemble, on a essayé de s'adapter à une période qui est, comme vous avez dit, un intrus,
qui est venu vers nous. Pensez-vous que l'Église aurait dû avoir une autre attitude? Si oui, laquelle? Comment l'Église peut anticiper ce genre de crise, par exemple? Au fait, je peux vous rassurer d'une chose. Vous et moi, sur ce plateau, nous ne pouvons pas prétendre dire que Dieu n'avait pas parlé. Ouais. Nous devons plutôt reconnaître que nous avons eu du mal à discerner la voix de Dieu, à discerner le langage de Dieu. Dieu avait parlé. Wow. D'une manière ou d'une autre, comme le dit Job. Mais seulement, nous n'avons pas compris. Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu. Dieu a parlé peut-être en fragments, et c'est ça la difficulté. Il a parlé en épisode de manière disparate. Et nous avons eu du mal à rassembler les messages pour voir à quoi ressemblera l'année 2020. Ok, quand cela ne tienne, nous sommes là. L'attitude de l'Église, c'est que cette période de COVID doit nous défier. Nous défier pour rétablir l'authenticité du ministère prophétique. Pas ministère comme exercice d'un des ministères, mais pour amener l'Église tout entière à devenir prophétique. Prophète, docteur, je t'appelle aussi prophète. Ça c'est très fort. Le docteur est en train de dire au fait que cette période est un challenge, c'est un défi pour nous tous. C'est un défi. Pour redéfinir non pas l'office du prophète selon les cinq ministères, mais pour redéfinir cette dimension prophétique. Cette dimension que j'appelle la voix prophétique. Lorsque dans le livre de Nombres, Moïse devait prier pour les 70 anciens, Dieu a dit à Moïse, je prendrai de ton esprit et je les mettrai sur les 70 anciens. Quand cela est arrivé, il y a eu deux autres qui n'étaient pas dans le camp. Eldad et Medad. Ils n'étaient pas parmi les 70, mais eux aussi ont reçu l'esprit. Josué est allé dire à Moïse, Moïse, empêche à Eldad et Medad de prophétiser, car elle n'était pas dans le groupe de 70. Moïse a donné la réponse. Mais la réponse de Moïse révèle la pensée initiale de Dieu. Moïse a dit, puisse tout le peuple être des prophètes. Puisse tout le peuple être des prophètes. C'est-à-dire, tous les chrétiens ne seront pas prophètes. Mais tout chrétien doit être en mesure aujourd'hui de discerner le langage prophétique de Dieu. De discerner le silence de Dieu. Parce que dans les prophétiques, quand Dieu parle, il parle. Mais même quand Dieu s'était, il parle. Nous avons besoin d'interpréter le silence de Dieu. Qu'est-ce que signifie le silence de Dieu? Parce que cela constitue aussi un langage de Dieu. Le défi aujourd'hui, c'est que nos églises doivent encourager les gens à sonder la voix de Dieu. Alléluia. Prophète, les apôtres ont dit à Jean, pose à Jésus la question pour savoir de qui il parle. Jésus a dit, celui qui, l'un de vous me trahira. Les 12 personnes ne savaient. Et ils ont dit à Jean, toi qui lui es proche, pose-lui la question pour savoir de qui il parle. C'est ce que le monde doit faire aujourd'hui. Nous sentons qu'il y a un mauvais vent qui arrive. Église, posez à Dieu la question, qu'est-ce qui adviendra de même? Mais comment saurions-nous écouter le langage de Dieu si nous sommes plus préoccupés à ce que les hommes disent? Comment allons-nous écouter le langage de Dieu si nous sommes préoccupés aux acclamations? Si nous sommes préoccupés à ce que l'on pense de nous? Ce que l'on pense de nous est moins important que ce que Dieu dit maintenant. Donc le COVID-19 nécessite à ce que l'on puisse rebâtir le podium. Le podium pour que l'Église puisse mouvoir dans l'onction prophétique. C'est-à-dire que le pasteur soit prophétique, que le docteur soit prophétique, que l'évangéliste soit prophétique, que la chorale soit prophétique, que l'intercession soit prophétique, que même le protocole qu'il reçoit à l'entrée soit prophétique. C'est-à-dire une église des hommes et des femmes aux yeux ouverts et aux oreilles attentives. C'est le défi que COVID nous donne. Parce que personne ne pouvait s'imaginer, prophète. Mais prophète, imaginez que le COVID-19 arrivait en 1995. 95 pour certains. 95. À quoi servirait cette émission? Parce qu'à ce moment-là, les nouvelles technologies de communication et de l'information n'existaient pas. On n'avait pas Facebook ici chez nous en Afrique. Comment allions-nous faire pour entretenir la foi des enfants de Dieu pendant 3 semaines ou 3 mois de confinement? C'est-à-dire, l'Église serait dans une léthargie totale.
Or, pendant que l'Église est dans la léthargie totale, le monde spirituel, lui, n'est pas confiné. Oui. Le monde spirituel, lui, continue à travailler. Or, la force du monde spirituel dépend des instructions que les supérieurs donnent aux inférieurs. Oui. Nous, aujourd'hui, nous disons, nous avons 3 jours de jeûne, nous avons 3 jours de prière. N'étaient-ils les réseaux sociaux, nous serions totalement déconnectés des membres de nos églises et nous aurions eu du mal à prêcher. Oui. Mais écoutez, d'où viennent les réseaux sociaux? Ce n'est pas un ange qui le fait. Oui. C'est un païen qui met en place son Facebook. Est-ce que la question qu'il faut se poser maintenant, est-ce que le talent, l'innovation, l'inventivité n'est que le don des païens et non pas des enfants de Dieu? Non. C'est là où j'ai dit, le COVID nous amène à revisiter notre pastoral. Il ne faudrait pas que l'Église soit le mouroir, soit le cimetière des talents et des vocations. Seigneur. Si Mark Zuckerberg, avec Facebook, et je ne sais pas Instagram, c'est qui a créé, peuvent nous aider aujourd'hui à tenir la réunion pendant 3 mois sans aller dans nos églises, nous devons leur dire merci. Mais pas seulement leur dire merci, nous devons nous poser la question, et s'ils n'étaient pas là, qu'allait-il devenir de nos cultes? Mais nos chrétiens sont à l'intercession. Ils sont mais justement, il faut comprendre une chose, prophète. Tout chrétien qui vient à l'église ne vient pas pour aller au sacerdoce. Le sacerdoce n'est pas la finalité pour tout enfant de Dieu. Alléluia. Le sacerdoce n'est pas la finalité pour tout enfant de Dieu. Il y a de ceux qui doivent finir au sacerdoce et il y a d'autres qui doivent finir dans le séculier. Et l'église doit prêcher un message équilibré. Voilà, très bien. Il dit, il a fait de nous un royaume de rois et de sacrificateurs. Nous régnerons sur la terre. Nous ne pouvons régner que si nous avons les deux facettes. Le roi, d'autre part, sacrificateur. Il faut les deux pour régner. Or, nous sommes extropiés. Nous n'avons qu'un seul pied, une jambiste. Nous sommes que sacrificateurs. Mais écoutez, prophète, Moïse sert Dieu. Dieu dit à Moïse que je prendrai de ton esprit et je le donnerai à Aaron. Aaron sert dans les tabernacles. Aaron va dans les parvis. Aaron sert dans les lieux saints. Aaron sert dans les lieux très saints. Mais Aaron ne fabrique pas les tabernacles. Pour fabriquer les tabernacles, on n'a pas besoin d'être sacrificateur. On a besoin d'être Betsalel. C'est-à-dire, l'Église a besoin aujourd'hui des Aaron qui vont servir dans les tabernacles. Mais l'Église a aussi besoin des Betsalel. Qui sont les Betsalel? Oui. Ce sont ceux qui font le Facebook. Facebook. Qui sont les Betsalel? Ce sont ceux qui inventent. Qui sont les Betsalel? Ce sont ceux qui vont envoyer demain des satellites. Oui. Alléluia. Alléluia. Qui demain diront, en cas de problème, vous n'allez pas payer les mégas. Je donne ma satellite comme offrande. Pour que l'évangile aille jusque dans les pays de l'extrême-orient. Pour que l'évangile aille au Taliban là-bas, plutôt en Afghanistan, en Singapour, qu'on nous suive. Nous avons besoin de cette onction-là. L'onction de Bethsalem, l'onction des laïcs. Écoutez, prophète, quand Jésus est mort, les apôtres ont assisté à la crucifixion de Jésus. Mais le corps de Jésus ne pouvait pas descendre par l'onction des apôtres. Il a fallu un homme d'affaires, Joseph d'Arimathée, pour prendre le corps de Jésus et le mettre dans son cimetière. En d'autres termes, le ministère, l'Église aujourd'hui n'a pas seulement besoin de prophète Joël Francis, n'a pas seulement besoin de prophète Joe Grasse, mais a aussi besoin de son excellence telle, a aussi besoin du DG telle, a aussi besoin de madame la ministre telle. Autant nous avons l'onction pour fabriquer des intercesseurs, que Dieu nous donne aussi le fardeau pour fabriquer des millionnaires. Pour fabriquer des millionnaires. L'un des défis de COVID, les églises sont fermées. Mais 99,8% des églises dans mon pays sont locataires. Les églises sont fermées, mais les loyers ne sont pas annulés. On devrait payer le loyer. Comment on va les payer? C'est là où nous allons nous rendre compte que la pauvreté n'est pas une vocation. On doit haïr la pauvreté autant qu'on a haï le péché. On doit haïr la pauvreté autant qu'on a haï le péché. Nous déclarons sur toi là où tu es la haine de la pauvreté autant que tu as la haine du péché. Que la haine de la pauvreté et du péché soit ton partage. Afin que tu sois pur devant Dieu, en paix avec Dieu, mais en paix aussi avec ta poche, en paix avec ta garde-robe, en paix avec ta voiture, en paix avec ton loyer. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous donne des fils
qui, après avoir fréquenté une église pendant une semaine, qui disent, j'ai comme l'impression que mon cerveau a triplé. Pourquoi notre onction doit seulement aider les gens à voir les sorciers et pas avoir des formules? Oh non! Pourquoi notre onction... Non, docteur, s'il te plaît, docteur, là je te coupe. Moi je suis prophète. Oh my God. Nous vendons des numéros de téléphone. My God. Nous vendons des adresses. Voilà. Ah non, je vais en retraite. Voilà. Pourquoi notre onction ne peut pas voir des formules, des protocoles médicaux pour inventer, du point de vue pharmacologique, des produits? Pourquoi notre... Écoutez, prophète, Mais le cerveau est diabolique pour nous, docteur. Ah, le cerveau est diabolique. Il faut dédiaboliser le cerveau. Chabarabas. Il faut dédiaboliser l'intelligence. Mm. L'intelligence n'est ni diabolique ni charnelle. Mm. On doit cesser de donner plus d'importance à ceux qui parlent beaucoup en langue et les frères qui réfléchissent beaucoup, qu'on dise qu'ils ne sont pas spirituels. Mm. Non. Attention. La démarche de Dieu, quand Dieu veut infiltrer une cour royale, le Dieu comme le diable, ils utilisent la même méthode. Dieu et le diable utilisent la même méthode. Prophète, quand Dieu veut utiliser, introduire, infiltrer une cour royale, il n'introduit pas la cour royale avec des prêtres, avec des sacrificateurs, non. Il introduit, il infiltre la cour royale par des experts, c'est-à-dire... On vous invite en tant qu'expert, mais on ne sait pas qu'il y a une dimension de la prêtrise sur vous. Voilà pourquoi je disais, l'expertise est le prétexte que Dieu utilise pour introduire une cour royale. Yes, yes. Joseph n'est pas introduit comme premier ministre parce qu'il est prophète. Mm. Il est introduit comme premier, établi comme premier ministre parce qu'il a une expertise dans le domaine de l'économie. Il a donné à Pharaon une intelligence, Pharaon le prend. Quand Daniel et ses amis quittent Jérusalem et viennent à Babylone, ils ne viennent pas à Babylone en tant qu'intercesseurs. Ils ne viennent pas en disant « Jésus, Jésus ». Ils vont là-bas parce que le roi avait dit qu'ils soient beaux de visage, qu'ils savent lire et écrire, qu'ils soient intelligents et qu'ils soient ici de familles nobles. Mais ce que le roi ne savait pas, en invitant des experts de Jérusalem, c'était des prêtres de Dieu qui venaient. Pourquoi le combat que Daniel avait dans la cour du roi n'était pas un combat avec d'autres experts, mais un combat avec d'autres prêtres. Oh pourquoi? Pourquoi? Parce que dans la cour du roi, autour du trône, il y a une guerre des autels. Dans la cour du roi, partout où il y a un trône, il y a une guerre des autels. Maintenant, les problèmes que nous avons, la difficulté que nous avons en tant qu'église, nous n'avons que des prêtres. Et nous voulons que les prêtres aillent à certaines institutions pour changer les choses. Non, non. Dans ces institutions-là, on ne reçoit pas les prêtres. On reçoit les experts. Donc, il faudrait que nos experts en nous soient comme Jésus. C'est-à-dire, lorsque l'ange dit à Jean, ne pleure pas, car voici le lion de la tribu de Juda. Jean se retourne pour voir le lion. Oui. Il ne voit pas le lion. Il voit l'agneau assis sur le trône. Donc, explique-nous, docteur. Jean lui dit, ne pleure pas. Oui, l'ange dit, yes. Car voici le lion de la tribu de Juda. Il a vaincu. Jean se retourne pour voir qui? Le lion. Mais au lieu de voir le lion, il a vu un agneau immolé, assis sur le trône. En d'autres termes, dans le lion, il y a l'agneau. Dans l'agneau, il y a le lion. Dans le sacrificateur, il y a le roi. Dans le roi, il faut qu'il y ait le sacrificateur. Oh mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu. Docteur, vraiment, je ne sais pas les réactions. Est-ce qu'on a combien ce soir? On a 1819. Continuez à partager le direct. Donnez-nous beaucoup de likes, partagez le direct, invitez les amis. C'est pour cela que cette semaine, nous sommes là. Afin que l'esprit soit touché et que le cerveau soit autant touché que l'esprit. Quelqu'un peut donner un bon avance, prophète, avance, docteur. Avance, prophète, avance, docteur. J'aimerais qu'on ait jusqu'à 2000 et même plus ce soir. Docteur, ma question est celle-ci. Donne-moi plus de toi. Ma question est celle-ci. Ne trouvez-vous pas, docteur, que le problème, alors, c'est aussi le message que nous prêchons dans nos églises? C'est toujours et ça sera toujours le message. Dieu crée des hommes par la maternité. L'église ou la société transforme les hommes par les messages. Le message que l'on entend, c'est ce que l'on devient. Vous voulez modifier la vie d'un peuple? Modifiez les messages qu'il entend.
Hey. Voilà pourquoi Dieu est très respectueux de ce qu'il vous dit. Dieu ne vous dit pas ce qu'il vous voyez. Dieu vous dit ce qu'il lui voit. Parce qu'il sait quelle est l'incidence du message sur votre vie. Nous sommes ce que nous sommes à cause du message. Le message est bon, mais le message est mal présenté. Le message est présenté de manière partielle. La preuve, multiplicité des églises en Afrique, ouais. Mais aussi le continent le plus pauvre. Paradoxe. C'est paradoxe, c'est ce que Salomon dit. Une des choses que j'ai constatées sous le soleil, c'est que les princes sont à pied et les esclaves sont sur les chevaux. Comment résoudre ces paradoxes-là? C'est le message. Prêcher un message, non pas celui qui plaît au peuple. Yes. Parce qu'en tant que pasteur, prophète, on est comme des parents. Un parent ne donne pas aux enfants ce que les enfants veulent. On donne aux enfants ce dont ils ont besoin. Parce que les enfants vous diront, papa, donne-moi les biscuits matin, les biscuits à midi et le soir une glace. Oui. Le lendemain, papa, donne-moi des biscuits, à midi, donne-moi les chocolats. Mais le papa sait, la maman sait que la croissance de mon enfant dépend de la nourriture solide que je lui donne. Nous devons prêcher le message que Dieu nous donne. Mais nous ne devons pas prêcher un message qui ne tient pas compte des réalités que nous sommes en train de vivre, prophète. Donc, il y a lieu aujourd'hui que Dieu donne de la voix, de l'audience à ceux-là à qui il a donné un message capable d'affecter les nations. Yes. Quand les nations sont affectées, l'individu est touché. Yes. Mais on peut toucher un individu sans toucher la nation. On peut toucher un individu sans toucher forcément la nation. Oui. C'est-à-dire, il faudrait toucher l'individu avec la pensée que par lui, je toucherai la nation. Voyez-vous? Donc, le message que l'on prêche, la Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il envoya sa parole et sa parole leur guérit. C'est-à-dire, le message guérit. Quand le peuple crie à la délivrance, Dieu envoie d'abord le message. Les messages attestent que les libérateurs arrivent. Mon Dieu. Messages attestent que les libérateurs arrivent. Et cela est très important, prophète, pour comprendre que les messages que nous prêchons aujourd'hui, ou encore les messages, ce que nous sommes aujourd'hui, c'est la résultante du message que nous avons écouté hier. Et ce que nous serons demain, c'est le message que nous écoutons aujourd'hui. En d'autres termes, la prophétie d'un peuple ou d'une nation repose sur le message qu'il écoute. Vous n'avez pas besoin forcément d'écouter ce que Dieu dit. Écoutez aussi ce que les hommes entendent. Parce que l'homme en devient ce qu'il attend. Voilà pourquoi Dieu savait. Jésus n'a pas besoin de rester éternellement sur la terre. Il peut partir, mais il sait au moins qu'il a laissé un message. Voilà pourquoi il n'était pas seulement un messager. Il était lui-même le message. Pourquoi? Parce que les messages libèrent. Les messages affranchissent. Oh mon Dieu. Les messages paralysent. Alléluia. Les messages peuvent handicaper quelqu'un. Les messages vous amènent à croire ou en qui croire le message. Voyez-vous? Votre vie est fonction de ce que vous croyez. Ce que vous croyez est nourri par ce que vous entendez. Parler du démon matin jusqu'au soir, les gens penseront que le diable est omniprésent. Je sais que le diable existe. Le diable existe, il est puissant, il est fort. Prophète. Explique, docteur. Paul dit ceci dans Éphésiens chapitre 6. Excuse-moi, docteur, les réactions sont incroyables. Quelqu'un dit l'évangile est vraiment la bonne nouvelle. Quelqu'un d'autre dit le message atteste que le libérateur arrive. Les gens sont en train de réagir. Le message atteste. Quelqu'un dit on peut toucher un individu sans toucher une nation. Il faudra espérer toucher cet individu qui va influencer la nation. Donc ici, on voit dans la réactivité que les gens sont vraiment connectés. Quelqu'un dit quelle sagesse. Quelqu'un dit c'est la vérité. Il y a des réactions incroyables. Le message guérit, il atteste que le libérateur arrive. Je reçois quelques réactions ici, c'est juste incroyable. Ce que nous serons demain, c'est le message que nous écoutons donc aujourd'hui. Waouh, waouh, waouh. Quelqu'un dit, mon Dieu. Voilà. Ça, c'est quand un autre message arrive.
un message holistique. Yeah. Un message holistique. Qui touche tout homme et tout l'homme. Très bien. Qui touche les hommes de tous les peuples, de toutes les nations, mais qui touche aussi tout l'homme, son corps, son âme et son esprit. Je pense que vous en avez aussi parlé, docteur. L'Église catholique a fait beaucoup dans ce domaine. Voilà. L'Église catholique a touché l'esprit de l'homme en établissant une église. L'Église a touché le corps de l'homme en établissant des hôpitaux. Par des écoles et des universités. Mais nous les pasteurs évangéliques, c'est d'abord les églises. Voilà, nous ne regardons que certains aspects avec lesquels nous sommes totalement contre-doctrinalement parlant. Mais la méthodologie de l'Église catholique a toujours... Elle est la meilleure. Et docteur, c'est même pour cela que dans notre pays, par exemple, les églises catholiques sont plus puissantes que nos églises. Partout au monde, elles sont puissantes. On croyait dans les années 90, après les avoir dépouillées, on croyait que dans les 10 années à suivre, par les réveils charismatiques, ils fermeraient. Mais non, aujourd'hui, c'est l'interface respectable de l'État. C'est l'Église la plus structurée, parce qu'elles ont compris que la structure est plus forte que toute autre chose. La force, c'est la structure. Les messages, je les répète, attestent que les libérateurs arrivent. Pourquoi ? Parce que tout libérateur qui viendra, sans avoir été préparé par un message, sera victime du peuple qu'il veut libérer. La Bible, Dieu a dit dans Genèse chapitre 15, au verset 13, que ta postérité, il parle à Abraham, sera captive dans un pays qui ne leur appartient pas pendant 400 ans. Mais dans Exode chapitre 12, verset 40, la Bible dit qu'Israël est sorti après 430 ans. D'où viennent les 30 dernières années qui s'ajoutent? Dieu n'avait pas parlé de 30 ans. Mais les 30 ans s'ajoutent alors que Dieu lui avait parlé de 400 ans. Israël sort 430 ans après. Quand vous lisez Actes des Apôtres chapitre 17, vous comprenez d'où viennent les 30 ans. La Bible dit, quand Moïse s'éleva, il pensait que le peuple comprendront. Le peuple comprendront que c'est par lui la compréhension. C'est par lui que le peuple sera libéré. Mais le peuple ne le comprirent pas et le chassèrent. Oui. Pourquoi? Parce qu'un message ne l'a pas précédé. Ah non, docteur. Non, ça c'est... Si vous ne me laissez pas être préparé par un message et que vous venez me prendre dans ma cellule, je vous battrai croyant que vous voulez m'amener dans une autre cellule. Dites-moi que vous êtes les libérateurs. Préparez-moi à comprendre. Voilà pourquoi quand vous lisez Daniel chapitre 10, à 4 reprises, l'ange Gabriel dit à Daniel, entends et comprends ces choses. Entends et comprends ces choses. En d'autres termes, tout dépend de ce que nous comprenons. Mon Dieu. Comprendre les voies de Dieu. La Bible dit au peuple, il a montré ses œuvres. Mais à Moïse, il a montré ses voies. Pourquoi? Parce que les voies sont plus importantes que les œuvres. Celui qui a maîtrisé les voies peut reproduire les œuvres. Celui qui a reçu les œuvres peut bénéficier des œuvres, mais ne sait pas les refaire. Yes. Je vous invite chez moi, je vous donne un gâteau. Vous mangez, vous avez aimé. Mais vous ne saurez refaire ces gâteaux que si je vous ai dit par quelle formule j'ai fabriqué ces gâteaux. Le message est très important. Oui. C'est comme ça que le diable fait la guerre, non pas au bâtiment. Le diable fait la guerre au messager. Pourquoi? Parce que le diable sait, si je ne bloque pas les messages, je ne peux pas bloquer la libération. Si je ne bloque pas les messages, je ne peux pas bloquer la libération. Docteur, s'il vous plaît, adressez-vous ici à tous les messagers, moi y compris. Tous les leaders, tous ces hommes de Dieu qui... actuellement, nous sommes confinés, nous suivons beaucoup de prédicateurs. Nous zappons, nous mettons des mégabytes pour suivre. Mais quelqu'un m'a dit, prophète, je ne suis pas nourri. J'écoute beaucoup de messages très souvent, peut-être d'autres, mais je ne sens pas que mon âme est nourrie. Je ne sens pas que le message répond aux réalités du moment, du confinement et de l'après-confinement. L'actualité dominée par les formules scientifiques, l'actualité est dominée par le panafricanisme actuellement. L'actualité est dominée par, ici au Congo, par... Voilà. Le fatalisme ici au Congo, l'attention de tout le monde aujourd'hui est sur les avocats, les procès, et pourtant autrefois c'était sur les pasteurs. Voilà. Donc, docteur, il n'y a pas un temps vide, on va d'un événement à un autre événement, Et attendez, vos oreilles entendent, votre cœur reçoit et votre vie reproduit. Tcha! Oh mon Dieu. Alors vous devez être sélectif dans ce que vous entendez. Oui. L'Église ne doit pas tomber dans le piège de s'informer. L'Église ne s'informe pas. L'Église informe. L'Église prophétise.
L'Église ne doit pas tomber dans les pièges pour savoir qu'est-ce qu'on a dit. Il y a combien de cas? Il y a combien de cas? L'Église doit dire, Dieu nous a dit. Hallelujah. Demain à la même heure, Hallelujah. On ne parlera plus de cette maladie. Oh, Rabashata. Voilà le travail que l'Église doit faire. Mm. C'est ici que je lance un appel solennel. Oui. Prophétique à tous les messagers. Oui. Parce que, prophète, on nous a souvent dit que l'Afrique a le pétrole, l'Afrique a les diamants, mais on ne nous dit pas aussi que l'Afrique a des messagers. Mmh. Les messagers de l'Afrique font partie des ressources que Dieu a données à l'Afrique. La preuve que Dieu ne nous a pas laissées, oui. c'est que chaque année, il y a un prophète qui monte. Yes. Il y a un messager qui monte. C'est pour vous dire que Dieu n'a pas encore fini avec nous. Mmh. Dieu n'a pas encore fini mmh. avec nous et il va accomplir mmh. ce qu'il a fait. Hallelujah. Il va accomplir ce qu'il a dit. Dites ce que Dieu vous dit. Yes. Dites ce que Dieu vous dit. Amen. Et ici, prophète, yes. en lançant les messages, l'Église d'après COVID, de l'après-COVID, après-COVID, doit revoir sa cible. Oui. L'Église ne doit pas seulement viser les individus. Le message de l'Église doit aussi atteindre les institutions. Pourquoi? Esther n'aurait pas changé la situation du peuple si Esther n'était qu'une simple gouvernante dans une maison. Ouais. Elle a changé la situation du peuple parce qu'elle était reine. En d'autres termes, notre message doit être royalisé. Notre message doit être élevé au niveau où nous atteignons des avocats de haute fracture, des ingénieurs de haute fracture. Yes. Parce que nous comprenons que le combat ne s'opère pas au niveau des bas étages. Uh-huh. Le combat s'opère au niveau, au niveau élevé. Que dit l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 6, verset 12? Il dit, revêtez-vous de toutes les armes. Alléluia. Comment? Il dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes. Et dit, il ajoute, nous devons tenir face ferme pour combattre contre qui? Les principautés, les dominations, les pouvoirs dans les lieux célestes. Avant de citer les armes spirituelles, il nous dit que les armes spirituelles sont données pour combattre qui? Patatamoisi. Il n'a pas dit que les armes spirituelles sont données pour combattre le sorcier de la famille. C'est ce qui fait la faiblesse de l'Église. Nous dépassons toute l'onction pour nous battre contre les subalternes, ne comprenant pas que ce n'est pas les subalternes qui nous font la guerre, ceux qui nous font la guerre, ce sont des généraux. Qui nous font la guerre, ce sont des principautés. Les principautés, ce sont des esprits territoriaux qui combattent les nations, qui combattent les régions. Vous le savez mieux que moi. Alors, dans cette guerre dans laquelle nous sommes engagés, nous devons comprendre que le combat spirituel doit aller au niveau des nations. Le combat spirituel doit atteindre la destinée de nos nations. Prophète, quand on vous dit que le pasteur le plus riche de l'Afrique, il est de quelle nationalité? Nigérian. Vous penserez que c'est parce que Dieu aime les Nigériens. Non. C'est parce que l'homme le plus riche d'Afrique, il est de quelle nationalité? Il est du Nigeria. Voilà. C'est ça l'impact de la destinée nationale sur l'Église. C'est ça l'impact de la destinée nationale sur l'Église. On ne peut pas avoir une Église riche dans un pays pauvre. Non, ça n'existe pas. Le pasteur africain le plus riche est nigérian parce que l'homme le plus riche en Afrique est aussi nigérian. Oh my parce God. Que chaque Église est la jumelle de sa société. Comment? Chaque Église est la jumelle de sa société. L'heure est arrivée où nous devons opérer les délivrances, pas seulement au niveau des individus, mais au niveau des esprits territoriaux. Pour dire, il n'est pas possible que notre barque nationale, notre bateau national, puisse connaître un naufrage avec l'Église à l'intérieur. Non, non. La preuve, que puisque l'Église est dans la nation ne mourra pas. Yes. Pourquoi? Parce que toutes les fois dans la Bible, prophète JFT, avance. Dans toutes les fois dans la Bible, où il y a eu l'onction dans la barque n'a pas chaviré. Quand l'onction est dans la barque ne va pas chavirer. Ne va pas chavirer. Soit Dieu fera jeter l'onction dans l'eau, comme il a fait avec Jonas. Il prend Jonas, il le jette dans l'eau pour sauver la barque. Soit il fera comme Jésus. Parce que Jésus est dans la barque ne va pas chavirer. Soit l'onction doit s'élever et calmer la tempête. Soit il en fera comme avec Paul en allant vers l'île de Malte. La barque ne va pas chavirer parce que l'onction est dans la barque. Yes. L'onction dira, ne vous effrayez pas. Cette nuit, le Dieu que je sers a envoyé un ange. Il leur est arrivé de dire, le salut de l'Afrique se trouve entre les mains de son Église. Le salut du Congo est entre les mains de son Église. Mais la difficulté que nous allons, nous prions de l'intérieur. Or, on ne sauve pas la destinée d'une nation de l'intérieur. Yes. Il faut à l'intérieur.
Joseph a sauvé l'Égypte parce qu'il était à l'intérieur. C'est la démarche que Mardoché fait. Mardoché pouvait organiser ses prières d'intercession avec les Juifs à l'extérieur. Mardoché connaît les principes. Et démarche. Mardoché connaît les principes. Il dit, il faut en parler à quelqu'un de l'intérieur. Parce que nous, on peut prier, mais on ne saura pas savoir s'il y a évolution ou pas. Il faut qu'il y ait une esther à l'intérieur. Yes. Qui prie de l'intérieur. Alléluia. Oh mon Dieu. Qui prie de l'intérieur. Il y a toujours quelqu'un de l'intérieur qui doit sauver. C'est la femme de Pilate qui dit à son mari, ne t'en mêle pas des problèmes de cet homme. La femme de Pilate. J'ai fait un mauvais rêve. C'est-à-dire, nous avons besoin des hommes à l'intérieur. Or, pour entrer à l'intérieur, il ne faut pas seulement être prêtre. Il faut être expert. Et là, à l'intérieur, l'expert devient prêtre. Là, à l'intérieur, l'agneau devient le lion. Vous comprenez? Yes. Alors, c'est ça la destinée de l'Église. Nous devons apprendre prophètes à prier pour nos nations. C'est après le Covid que nous allons constater si nos nations étaient préparées ou pas. Ouais. Regardez, prophètes. Il y a les églises qui vont se vider. Je vous garantis. Ouais. Qui vont décroître. Qui vont décroître. Nous aurons un problème de réévangélisation. Exactement. Pourquoi? Parce que nous avons déjà montré aux fidèles aussi qu'on peut rester à la maison par les réseaux sociaux et suivre les cultes. C'est vrai. Ce qui nous a sauvés dans le confinement deviendra une faiblesse pour nous demain. Et cette faiblesse, nous en Afrique, nous allons la connaître aujourd'hui. Mais en Europe, ils le savent déjà. C'est pas possible. Plus de la moitié des chrétiens européens suivent les cultes à la maison. Ce qui les exonère des dîmes et des offrandes. Mais on ne comprend pas que l'Église fonctionne aussi avec l'argent. Le matériel de Power Channel qu'on a ici, c'est de l'argent. Oui. Donc, les méga, les réseaux sociaux nous sauvent aujourd'hui, mais deviendra pour nous un problème demain. Voyez-vous? Je n'ai jamais vu ça. Il faudrait maintenant avoir des orientations de Dieu. Oui. Nous devons réfléchir pour dire, qu'allons-nous faire après? Oui. Prophète, Genèse chapitre 7, le verset 12. Dieu dit à, la Bible dit, la pluie a fini 40 jours après. Comment? 40 jours après la pluie de Noé, le déluge a pris fin. Oui. 40 jours. Parce que Dieu avait prévu 40 jours. Mais quand vous lisez Genèse chapitre 8, verset 3 et 4, la Bible dit que Noé est sorti de l'arche après 150 jours. Oui. Ça me révolte. Le déluge s'arrête, mais le confinement continue. Le confinement continue. Pourquoi? Tout va bien à l'église dans l'arche. Mais on ne peut pas sortir parce qu'à l'extérieur, la nation, il y a encore de l'eau, on ne peut pas avancer. Le problème n'est pas seulement que tout aille bien dans l'église, dans la louange, dans l'adoration. On ne doit pas seulement danser dans l'église. L'église ne doit pas être une drogue. C'est-à-dire où les gens arrivent, l'opium. Ils oublient qu'ils sont chômeurs, ils oublient qu'ils sont malades, ils oublient qu'ils ont faim. Et dès qu'ils sortent de l'église, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas de courant, ils se rendent compte qu'ils sont chômeurs, ils se rendent compte. Voilà pourquoi il faudrait que ceux qui sont dans la barque, dans l'arche de Noé, prie, dire, Seigneur, la pluie a pris fin. Nous ne voulons pas subir l'incidence négative des eaux qui sont en dehors de la barque, c'est-à-dire la nation. Noé a attendu 110 jours de plus. Et 110 jours de plus, presque le triple des jours que la pluie a pris, où il a plu, il a attendu 110 jours de plus, fois 3 presque. Pourquoi? Chez lui, ça va. Spirituellement, ça va. Mon onction est là. Prophète, nous serions très loin. Et je vais vous dire une chose. Avance, docteur. Prophète, vous le savez, bien que moi, Dieu est en Afrique. Oui. Dieu n'est pas en Europe. Dieu est en Afrique. Les hôtels de Dieu sont en Afrique. C'est vrai. L'Europe, ce ne sont pas des villes. Vous le savez bien. Ce sont des cités bâties sur des hôtels babyloniennes, sur des hôtels sataniques. Exactement. Les traçages de toutes ces villes, ont dédié la ville, les villes au diable. Dieu est en Afrique. Mais pourquoi là où Dieu est, c'est là où on meurt jeune? Pourquoi c'est là où Dieu est, on doit prier pour manger? C'est incroyable. Pourquoi là où Dieu est, on doit se battre pour des choses que l'on ramasse ailleurs? Non. Dieu a dit, je vous conduirai vers un pays où coule le lait et le miel. C'est parce que l'Église n'a pas compris le langage de Dieu. Il n'existe pas un seul pays au monde où le lait coule. Il n'y a pas une rivière de lait. Pour avoir le lait,
il faut un bon bétail. Et la force du bétail dépend du soin que vous apportez au bétail. Il faut le conduire vers le vert pâturage, qu'il mange bien. Il faut apprendre à extraire, à traire. Oui, oui, à traire. À traire le lait, pour avoir le lait. Donc, en disant que je vous conduis vers un pays où coule le lait, Dieu voulait simplement dire, je vous conduis vers un pays où, si vous êtes travailleur, si vous êtes bosseur, vous aurez le lait. Oh, il dit, God. Un pays où coule le lait et le miel. Or, quiconque veut manger le miel doit affronter les abeilles. Comment? En d'autres termes, Dieu voulait dire, je vous conduis vers un pays où vous aurez le miel à condition d'accepter d'affronter le vrai problème de la vie. À condition d'accepter de vous blesser. À condition. Maintenant, nous n'avons pas compris cela. Nous avons compris que la grâce... L'Afrique, c'est le paradis. L'Afrique, c'est le paradis. C'est vraiment le jardin d'Éden. Dans la pensée de Dieu, c'est cela. Prophète. Potentiellement. Ah, que Dieu vous bénisse. Genèse chapitre 2, verset 5. C'est le verset qui a changé ma vie. C'est le verset qui m'a poussé à dormir à 22h et à me lever à 4h du matin. C'est le péché qui m'a poussé à lire au moins 52 livres, au moins, en une année. C'est le verset qui m'a... 52 livres au moins, pas moins. Pas moins de 52 livres en une année. C'est le verset qui m'a compris qu'on peut sortir d'un père qui n'est pas connu, mais que le père soit connu par son fils. C'est le verset qui m'a fait comprendre que le travail ennoblit. Vous devez avoir ce verset. Ce verset dit ceci. Genèse chapitre 2, verset 5. Yes. Quand Dieu a créé la terre, il n'y avait pas encore d'arbustes. Il n'y avait pas encore de plantes. Parce que l'Éternel n'avait pas encore fait pleuvoir, car il n'y avait pas d'homme. C'est-à-dire... Explique, docteur. L'homme permet à Dieu de continuer ou de s'arrêter. Dieu ne peut pas envoyer la pluie. Parce qu'il n'y a pas d'homme. Parce qu'il n'y a pas d'homme. Parce que s'il envoie la pluie va faire germer les plantes. Qui va contrôler ces plantes-là? Dieu de la Bible, le Dieu de la Bible est le Dieu de l'abondance, mais il n'est pas le Dieu du gaspillage. Docteur, ça c'est... C'est ça, on doit changer de paradigme. C'est incroyable. On doit changer les paradigmes. Docteur, c'est... les réactions ici, docteur, sont... Prophète, on doit changer les paradigmes. Des jeunes gens viennent dans nos églises. Certains d'entre eux sont brillamment intelligents. Accompagnons-les à devenir professeurs d'université. Non pas seulement à fêter les diplômes d'État ou une simple licence. C'est un gaspillage lorsqu'on est assez brillant pour qu'on s'arrête au diplôme d'État alors qu'on peut devenir professeur d'université. Et puis après vous allez dire que les professeurs sont des occultistes. Si le diable a fait des intelligents des occultistes, pourquoi l'église doit faire des intelligents des protocoles et des intercesseurs? L'homme. La qualité de l'œuvre de Dieu dans une nation repose sur la qualité de l'homme. Donner à Dieu des hommes brillants, l'église va briller. Donner à Dieu des hommes moyens, l'église sera moyenne. Donner à Dieu des hommes médiocres, l'église sera médiocre. La qualité de l'œuvre de Dieu repose sur la qualité de ces hommes que Dieu a en sa disposition. Le paradigme va changer. Après Covid, prophète, après Covid, il faudrait que dans nos églises, qu'il n'y ait pas seulement des réunions de papa, de maman, mais qu'il y ait des réunions de scientifiques. Oui. Il faudrait aussi qu'il y ait des réunions des juristes et des avocats. Comment? La Bible dit que c'est la justice qui élève une nation. La Bible ne dit pas que c'est les cours et tribunaux qui élèvent une nation. Parce qu'il y a une démarcation dans la philosophie de Dieu entre les lois des hommes et la justice. Quand Hitler a tué les Juifs pendant la Shoah, à la Deuxième Guerre mondiale, c'était sur base d'une loi votée en Allemagne. Quand on bénit les mariages homosexuels en Suède, en Danemark, en France, c'est sur base d'une loi. Incroyable. La justice qui élève une nation, cette justice doit avoir trois fondements. Premier fondement, c'est cette justice qui reconnaît la souveraineté de Dieu comme étant le juste juge. Yes. Deuxièmement, ce doit être une justice qui fait la promotion du bien-être de l'homme. Et une justice qui crée une convivialité dans la communauté des hommes. Alléluia. Voyez-vous? Parce qu'on peut voler au nom du droit. Tout ce qui est légal n'est pas de la justice de Dieu. Oh mon Dieu.
l'azarianisation, l'un des fléaux, l'une des choses qui a maudit l'économie du Congo jusqu'à présent. En 1974, une loi a été signée ici en République d'Isaïe, qu'on a appelée l'azarianisation. On a désapproprié, on a arraché aux expatriés des biens qu'ils ont eus, qu'ils ont bâtis avec leur sueur. On les a pris au nom d'une loi votée. On a donné aux Zaïrois. Ces gens sont partis. Entre autres, une partie des Juifs. Ils sont rentrés mécontents. Ils sont rentrés meurtris. Ils ont pleuré au nom de la loi. Tout ce qui est légal n'élève pas une nation. C'est la justice qui élève une nation. C'est là où maintenant, l'Église doit envoyer des avocats. L'Église doit avoir des magistrats. L'Église doit avoir dans tous les secteurs. Voyez-vous, nos paradigmes doivent changer. Nos paradigmes doivent changer. Si nous ne changeons pas nos paradigmes, nous allons biaiser les messages de Dieu. Ce message que Dieu a pour nous, veut que par nous, ô prophète, vous savez, nous aimons tellement le ciel que nous nous sommes déresponsabilisés de notre vocation terrestre. On aime tellement le ciel qu'on a oublié que nous ne sommes pas la lumière du ciel, que nous ne sommes pas les sels du ciel. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes les sels de la terre. Wow. En d'autres termes, notre vocation, c'est de créer des hommes bons pour le royaume de Dieu, influents pour les sociétés. Wow. Et cela est possible. La Bible, c'est le seul livre qui nous apprend à gérer tous les domaines de la vie, Alléluia. Y compris les domaines des nations. Alléluia. Donc, la destinée de notre nation a une incidence sur nous. Yes. La précarité avec laquelle nous travaillons ici au Congo, dans l'œuvre de Dieu, n'est pas une malédiction venant de Dieu. Cette précarité relève de ce que notre nation est en train de vivre. C'est comme ça que Paul dit à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 2 au verset 2, de prier pour le roi et les autorités. Oh, j'aime ça. Afin que nous puissions mener une vie paisible. En d'autres termes, on ne mène pas une vie paisible seulement, excusez-moi, parce qu'on a Jésus. On ne mène pas seulement une vie paisible parce qu'on a les versets bibliques. On mène une bonne vie parce qu'on a un leadership national qui devient le couloir par lequel Dieu passe pour nous donner les choses liées à notre vocation en tant que nation et à notre destinée en tant que peuple. Wow. Voilà pourquoi nous devons prier pour les rois et les autorités. Ceci n'est pas une action politique. Ceci est une obligation prophétique et sacerdotale. Yes. La Bible dit dans Genèse chapitre, dans Exode plutôt, incroyable, chapitre 2. J'aime ça. La Bible dit, il y a un pharaon qui ne connaît point Joseph. Et parce qu'il ne connaissait pas Joseph, ce pharaon du coup, il a changé le statut de peuple d'Israël qui était habitant en Égypte. Il en a fait des esclaves. Quand est-ce que les Hébreux sont devenus esclaves en Égypte? Ils n'ont pas toujours été esclaves. Ils les sont devenus. Ils sont devenus lorsque le leadership au sommet est arrivé. Ça, et ce leadership ne connaissait incroyable. Pas. Voilà pourquoi, je répète, oui, docteur. En Afrique, on doit comprendre que chaque période électorale doit être anticipée par des actions prophétiques de l'Église. Pour que l'issue de ces élections corresponde au choix que Dieu veut pour le bonheur. C'est-à-dire, l'Église doit influencer le vote. L'Église doit influencer. Pourquoi? Parce qu'il suffit juste qu'on ait un pharaon qui ne connaît pas Joseph, qui ne connaît pas l'Église et qui décrète que pour exercer le ministère, il faut telle loi. Beaucoup d'églises seront fermées. Supposons que l'on dise qu'il faut exercer le ministère, il faut que l'église soit propriétaire. Combien d'églises vont fermer? Voilà pourquoi il faut prier pour le sommet. Prier que Dieu leur accorde sagesse, que Dieu leur accorde intelligence, et que Dieu leur garde, et que Dieu les entoure convenablement. Parce que je le répète, là où il y a le trône, il y a une guerre des autels. Les esprits se disputent l'influence sur le roi. Le roi ne discute pas seul. Le roi ne décide pas seul. Le roi prend souvent les décisions qu'il tire de ses collaborateurs. Si les Hébreux en Assyrie ont eu la malchance d'être exterminés, c'est parce que Aman, pas le roi,
Aman. Aman initie une loi, influence le roi, en disant au roi, tous les trésors des Hébreux seront mis dans ton compte. Voilà pourquoi Esther ne combat pas le roi. Esther combat Aman. La guerre des positionnements. Que Dieu te positionne là où tu es. Que Dieu vous positionne là où Alléluia. Vous êtes. Alléluia. Que Dieu vous positionne soit au sommet, soit autour aux de alentours. Ceux qui sont au sommet. Très bien. Que cela soit ton partage, soit numéro 1, soit un numéro 2 qui influence un numéro 1. Tout le monde ne sera pas pharaon, d'autres seront des Joseph, mais seront même plus populaires que les pharaons. Ils auront peut-être plus d'impact que les pharaons. Come on. Que Dieu fasse de toi un numéro 1 puissant. Amen. Et un numéro 2 puissant qui peut emmener toute une nation, Yabarobosa. Toute une génération à avancer. Docteur, est-ce qu'on peut prononcer les paroles alors qu'on est en train de clôturer déjà? J'ai des réactions inimaginables ici. Je ne sais pas que les chrétiens, les gens sont en train de se prononcer ici, qui ont des masters, d'autres sont des médecins, ils sont en train de parler. Les gens disent, on est bénis par ce programme, c'est extraordinaire. Est-ce qu'on peut déclarer? Je sais que quand ça va être le docteur Silas, je peux aller avec lui jusque demain matin. Alors for the sake of time, on va faire des déclarations sur vous et croyez, nourrissez-vous de ces paroles. Bientôt, on va retirer cette vidéo de Facebook, on la balancera directement sur YouTube. Vous allez aller sur ça sur YouTube, mais croyez qu'il y a recevez, alors que l'homme de Dieu parle et déclare, recevez cela. Je crois qu'il y a une onction sacerdotale qui vient et une onction royale qui vient. Dieu vous donne la capacité d'accompagner ceux qui sont au sommet. Il vous donne la capacité d'être aussi au sommet. Votre cerveau, votre intelligence ne sont pas diaboliques et charnels. Ils font tous partie de la pensée de Dieu pour vous permettre d'avoir un impact holistique. Et là où tu es, reprends tes diplômes, reprends ton intelligence, relève ton agence. Amen. Et poussette encore tes documents. Amen. Dieu veut utiliser tes idées. Amen. Il veut utiliser tes projets. Amen. Il veut utiliser ta capacité d'être architecte. Il veut utiliser là où tu es au niveau de la justice. Il veut utiliser dans tous les secteurs où vous êtes. N'aie pas honte de ton travail. Il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de sous-métier. Tout le monde ne sera pas pasteur. On a besoin de Lionel Messi. Ah oui. Que l'on ne garde pas à l'église comme des protocoles, voilà. Mais qui sont là sur le terrain de football. Imaginez-vous, docteur, que votre fidèle était Cristiano Ronaldo. Imaginez-vous qu'en cette période, un membre de ton église, c'était Tiger Woods. Ça allait être très facile pour toi. Alors, nous croyons aujourd'hui que Dieu veut élever des chrétiens puissants en parole et en œuvre. Des chrétiens puissants dans le domaine sacerdotal et dans le domaine séculier. Et je crois, docteur, je ne sais pas, mais je sens ça. Dieu libère l'onction financière. Dieu libère l'onction financière. Les chrétiens vont briller dans des millions. Tu es le prochain à entrer dans le cercle des millionnaires Amen. Chrétiens. Le prochain à accéder dans le cercle des millionnaires chrétiens. Mélodie. Et toi, on dira que c'est un millionnaire, mais dans son église, il est protocole. Yes. Il est multimillionnaire, mais dans son église, il travaille à la modération. Labra, il est multimillionnaire parce que je crois que Dieu est en train de nous introduire dans une nouvelle phase. Yes. Nous sommes en train d'emprunter un virage nouveau pour les nations africaines ainsi que l'église africaine. Yes. Il y a une onction financière. Alléluia. Et lorsque l'onction financière arrive, yes. Il y a une facette de cette onction qui se manifeste par la créativité. Yes. Dieu fait de toi une banque d'idées. Yes. Dieu fait pleuvoir en toi des idées. Qui valent des millions. Une idée qui va valoir des millions. Alléluia. Une idée va valoir des millions. Là-bas. Des gens viendront te consulter pour que tu leur vendes des millions. Yes. Des gens viendront te consulter pour que tu leur vendes des idées. Yes. Je déclare au nom de Alléluia. Jésus. Tu n'as pas à avoir peur du faible commencement. Yes. Ne regarde pas où tu commences. Alléluia. Regarde où tu peux aller. Yes. Ton petit étalage là deviendra un supermarché. Alléluia. Ta petite boutique yes. deviendra une chaîne d'alimentation. Alléluia. Ta petite boutique d'habillement deviendra une usine d'habillement. Alléluia. Je le déclare au nom de Jésus. Nom de tu n'iras plus seulement en Chine pour acheter les habits. Tu amèneras les Chinois et les machines pour fabriquer les habits ici en Afrique. C'est à toi que je m'adresse. Yes. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Dieu te donne une intelligence qui te distingue dans le monde des politiciens. Alléluia. Dieu te donne une intelligence qui te distingue dans le monde des politiciens. Alléluia. Nul ne tiendra devant toi. Amen. Nul ne tiendra devant tes Amen. Arguments. Nul ne tiendra devant ton intelligence. Amen. Je déclare au nom de Jésus. Yes. Dieu te donne la capacité, yes. la discipline financière. Yes. Il met de côté cet esprit de dépense, yes. cet esprit de gaspillage. Yes. Dieu te donne la capacité yes. de recevoir beaucoup yes. et de dépenser peu. Yes. De recevoir beaucoup yes. et de dépenser peu. Yes. Je le déclare au nom de Jésus. Jesus. L'année 2020, c'est terminera avec un témoignage. Yes. Tu témoigneras à la fin de l'année. Yes. Tu témoigneras lors du réveillon. Yes. Tu diras quand tout le monde pleurait, Dieu m'a fait sourire.
Quand tout le monde pleurait, Dieu m'a fait sourire. Je déclare au nom de Jésus. J'ai dit, je déclare au nom de Jésus. Cette pandémie est venue pour relever une dimension de Dieu en toi. Une dimension de Dieu en toi. Des maisons vont être achetées. Des villas vont être bâties. Des écoles vont être construites. Des mariages vont être contractés. Des ministères vont commencer. Des voyages vont être amorcés. Parce que l'Éternel Dieu est puissant. L'Éternel Dieu est puissant. Je déclare au nom de Jésus. Tu es intelligent. Amen. Dieu me dit que tu es très intelligent. Tu es très intelligent. Très intelligent. Mais on ne te voit pas. Yes. L'onction de Dieu aujourd'hui enlève le voile sur toi. Yes. L'onction de Dieu aujourd'hui enlève le voile sur toi. Tu ne travailleras plus pour des petits marchés. Yes. Ce sont les rois. Ce sont des princes qui viennent à ta recherche. Hey, je déclare au nom de Jésus. Hey, je dis, je déclare au nom de Jésus. Ta destinée est plus grande que le combat de ta famille. Yes. Ta destinée surpasse le combat de ta famille. Amen. La jalousie de tes frères ne peuvent pas t'empêcher de devenir premier ministre en Égypte. Je déclare au nom de Jésus. Yes. Toi qui me suis maintenant, ton heure est arrivée. Hey. Toi qui me suis maintenant, ton heure est arrivée. Yes. Dieu va te surprendre. Mm. Dieu va te porter comme on porte un enfant. Yes. Dieu va te porter comme un porte un enfant. Je déclare dans le nom de Jésus. Yes. Ceux qui t'avaient fui vont revenir les uns après les autres. Ceux qui étaient partis vont revenir les uns après les autres. Des portes nouvelles s'ouvrent pour toi. Yes. L'onction de Dieu est sur toi. Yes. La sagesse de Dieu sera ta portion. Yes. Je le déclare au nom de Jésus. Yes. Je le déclare au nom de Jésus. De Jésus-Christ. Par toi, la nation verra une lumière nouvelle. Amen. Par toi, la nation verra une nouvelle lumière. Amen. Ta famille bénira Dieu. Alléluia. Parce que elle t'a. Ta famille bénira Dieu parce que tu es de cette famille-là. Yes. Ta nation glorifiera Dieu. Mm. L'heure est arrivée. Prophète, l'heure est arrivée. L'heure est enfin arrivée. Dieu est en train de donner à l'église une voix. Yes. Dieu est en train de donner à l'église une voix. Quelle que soit votre nation, dans votre nation. Que vous soyez en Haïti, au Gabon, au Cameroun, en France, en Côte d'Ivoire, partout en Espagne, aux États-Unis, au Canada, partout où vous êtes. Dieu vous donne une voix. Dieu vous donne une voix. Yes. Et vous donne de l'espace. Yes. L'espace pour régner. Oh. L'espace pour dominer. L'espace pour impacter. Yes. L'espace pour influencer. Yes. Si tu es avec moi, dis trois fois Amen. Amen, Amen, Amen. Je le déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette semaine sera pour vous une semaine de visitation. Amen. Dieu vous mènera du lundi jusqu'au dimanche. Dans ce programme de réinitialisation prophétique, Dieu va guérir chaque aspect de votre vie. Yes. Dieu va modifier vos paradigmes. Dieu va vous affecter comme jamais auparavant. Je le déclare. Là où vous êtes, vous ne marchez pas. Amen. Recevez la force de Dieu. Yes. L'onction de Dieu vient dans vos jambes maintenant. Soyez guéris. Soyez guéris au nom de Jésus. Soyez guéris au nom de Jésus. Les oreilles qui n'entendaient pas entendent maintenant. Yes. Maintenant, les myomes sont en train de disparaître. Les fibromes sont en train de disparaître. Je déclare au nom de Jésus. Yes. Toi qui t'étais fatigué après avoir suivi des soins médicaux pour la maternité, rien n'est arrivé. Je te souhaite félicitations pour les jumeaux que Dieu te donne. Amen. Félicitations pour les jumeaux que Dieu te donne. Amen. Au nom de Jésus, soyez bénis. Le Congo est béni. Amen. Le malheur ne viendra pas. Amen. Le Congo est béni. Amen. L'Éternel va balayer les nuages sombres. Amen. Sur la nation en ce mois de juin. Yes. L'Éternel est en train de se lever. Shabra. Il prend possession. Kara. Parce que l'avenir de nos nations Yes. ne sont pas entre les mains des politiciens. Yes. La destinée de nos nations Yes. ne sont pas entre la main des dirigeants. Yes. C'est l'Éternel Dieu. Yes. Lui qui a établi les frontières pour les nations. Bassa. Lui qui règne sur les nations. Comme le dit le psaume 22, verset 29. Alléluia. Yes. Karabuso. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Et nous disons cette fois Amen. 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 On peut acclamer très fort pour Alléluia. Le Seigneur. Oh mon Dieu, My God. Quelle soirée. Quelle soirée je suis. Nous sommes tous en feu ici. On a eu plus de 2 heures de conversation, de déclaration, de réflexion, où j'ai été là pour pousser le docteur à parler. Vous voyez combien il n'y a pas que les prophètes qui sont importants dans l'église. Il n'y a pas que des pasteurs qui sont importants dans l'église. Et ici, je ne parle pas d'un doctorat en théologie. Je parle d'un ministère doctoral. C'est autre chose. Et c'est, vous avez même senti une autre onction que celle qu'on ne sent pas toujours dans nos églises parce qu'on ne laisse pas tous les offices être exprimés. Et je bénis Dieu pour les docteurs. Docteur, n'ayez pas honte. Voyez l'un de vos docteurs, l'un de vos pères. L'un de vos pères, OK, P-A-I-R.
R, c'est ça? L'un de vos pères, parler avec une telle profondeur. Il citait des versets ici. Il expliquait des choses par rapport aux nations. Il était dans l'histoire. Il était avec Hitler. Il était au Congo en 1960 et quelques. Et c'est juste incroyable. Et nous célébrons Dieu pour cette grâce. J'aimerais vous lancer le défi maintenant. Dieu est en train de faire quelque chose de spécial. Ne sors pas de ces directs pour aller chercher un autre. Sois connecté là où tu es et bâtis un hôtel. Quelque chose commence à se passer. Amen. Tu peux te connecter à l'onction qu'il y a dans ce ministère. Et à la grâce que Dieu libère ici, de ce que vous allez envoyer comme offrande, nous allons aussi honorer les hommes qui seront là avec nous à la fin de ce programme pour leur dire, voilà, homme de Dieu, ce que l'Église, le peuple de Dieu a reçu et veut exprimer comme reconnaissance et comme marque d'honneur à l'onction. Alors faites comme nous, allez sur, au-dessus de cette vidéo, vous allez voir, il y a deux liens. Le premier lien, c'est le lien Onekim Makabo Church. Vous allez cliquer dessus avec PayPal, Mastercard, carte Visa. Vous pouvez envoyer de 5 euros à 10, de 100 à 200, de 1000 à 5000. Bâtissez un hôtel et connectez-vous à la grâce que Dieu a libérée en ces lieux. Et si par mes gardes, vous n'avez aucune de ces voies, vous êtes à Kinshasa, on va nous aider après avoir clôturé le direct de mettre tous les liens sur M-Pesa, Airtel Money et puis Orange Money pour que vous puissiez envoyer votre offrande et célébrer Dieu en étant en contact avec l'hôtel. Et autrement, vous voulez envoyer par Western Union ou MoneyGram, c'est très simple. Il y a un deuxième lien Telegram qui est là. Ceux qui ont déjà Telegram, cliquez dessus. Vous allez basculer sur le groupe Église Porte des Cieux Global. Dans ce groupe, on donne tous les détails. Vraiment, vous n'aurez pas à vous soucier parce que les administrateurs sont là pour vous servir. Vous pourrez envoyer par MoneyGram et Western Union. Et nous allons comme ça honorer Dieu par ce que nous recevons. Alors, nous sommes en train, par la grâce de Dieu, de lancer déjà Power Channel. On peut acclamer très fort Dieu pour ce projet. Et j'aimerais vous dire, Power Channel existe seulement grâce à 2 semaines. Elle était dans la pensée de Dieu. Je l'ai commencé depuis des années. J'en parlais 2 semaines dans Telegram. J'ai parlé du projet. Les gens ont mis la main de la pâte. On a aujourd'hui la télé, on a le canal. On est, vous allez voir ça demain ou après-demain. Nous serons déjà sur TNT. On s'apprête à basculer directement sur satellite parce que nous voulons que de tels messages. Vous écoutez, moi aussi, j'aimerais être journaliste, présentateur, recevoir de telles intelligences. Oh mon Dieu! De telles intelligences pour parler et aider la nation et aider les générations. Mon onction est surtout dans la montagne des médias et j'aimerais maximiser cela en cette saison. Yeah. Et nous voulons clôturer en ceci. J'avais fait un vœu à Dieu et j'aimerais le réaliser. Vous n'avez pas donné votre vie à Jésus-Christ et vous voulez aujourd'hui, vous dites « Waouh, je suis béni par le message, mais je sens que je suis un peu étranger à ces choses parce que je ne suis pas sûr de mon éternité et je ne suis pas sûr qu'il habite en moi. » Le docteur va nous aider. Tous ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur personnel, c'est l'opportunité pour vous de donner votre vie à Jésus-Christ maintenant. Ce sont vos paroles, mais le docteur vous prête des paroles que vous allez répéter. Après, on va clôturer et nous allons finir ici. Placez votre main droite sur votre cœur et répétez avec moi cette prière. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je prends l'engagement de te suivre comme Seigneur. Je te donne ma vie. Conduis-moi par ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. C'est fait. On peut acclamer très fort. Vous êtes sauvés. Aussi simple que ça, vous êtes sauvés. Vous êtes devenus enfants de Dieu. Wow. Vous n'êtes plus le même. Yes. Vous n'êtes plus esclave du péché. Vous n'êtes plus esclave de la condamnation. Yes. Vous commencez une vie nouvelle avec de nouvelles exigences, mais avec une nouvelle beauté divine. Waouh, une nouvelle beauté divine. Écrivez-nous s'il vous plaît sur jftatou2015@gmail.com. On peut m'aider avec la technique. jftatou2015@gmail.com. Dites-nous que vous avez reçu Jésus-Christ. Je suis devant quelle caméra? Là, ok. Vous avez reçu Jésus et nous allons vous aider à grandir dans les voies du Seigneur. Je vous retrouve demain et je serai demain avec le prophète héritier Grâce Mousseba. On sera avec lui en duplex. Il est à Colossie et ça va être incroyable. Il va nous parler de ce que Dieu le dira pour les nations, de ce qui va arriver dans la suite des temps. Et il y aura des prophéties personnelles, même en direct. C'est un homme qui opère dans une onction prophétique extraordinaire et nous allons de gloire en gloire. Docteur, merci. C'est moi qui vous remercie infiniment. Merci. Merci infiniment d'être venu. Nous sommes très honorés. Et par quelle voie nous pouvons vous contacter?
on peut nous contacter au travers de notre page Facebook, oui. Docteur Silas Mimil Makangu. Ou encore nous écrire par WhatsApp à ce numéro, plus 243 81 516 65 65 65 05 09 09. Voilà. Ce numéro sera mis sur la vidéo, comme ça vous pourrez être en contact avec le docteur pour des conseils. Il est expert, hein? Il est consultant, il peut vous aider, vous encourager, vous encadrer, vous orienter par rapport à votre domaine séculier. Merci beaucoup, prophète. C'est moi qui te remercie. Bon vent et plein succès pour Power Channel. Gloire à Dieu. Donc, ça devait arriver. Ça devait arriver. Ça devait arriver. Et c'est arrivé. Amen. Nous sommes très honorés. Merci, docteur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée chez vous. Soyez bénis. Et merci à toute l'équipe technique d'avoir été là. Caleb, Ahmed et toute leur équipe, l'équipe de la photographie avec The Guy 7 Picture qui est là encore de retour. Et Samuel qui a fait un bon travail. Vraiment, vous êtes très nombreux, les caméramens et tous ceux qui ont été là et qui ont accompagné aussi le docteur. Et merci à la personne qui nous a prêté ce beau cadre, autant que Pierre avait prêté sa barque pour que Jésus y prêche la parole. Et après cela, il y a eu une pêche miraculeuse. Qu'après ce programme, qu'il y ait une pêche miraculeuse dans cette maison, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir chez vous. I surrender all to you and everything I give to you. With all the nothing, yeah, with all the nothing, Lord, I surrender all to you. And my everything I give to you. With all and nothing, yeah, with all and nothing, I surrender all to you. And everything I give, everything, Lord, I with all and nothing, yeah. Oh, with all and nothing, yeah. In everything, yeah. I give you everything, everything. Oh, Lord, I surrender everything I give unto you, yeah. Everything I give, oh, with all the nothing, yeah, with all the nothing, yeah. I give you, Lord, I give you all of me. I give you all of me. I give you all.